Bienvenue à cette dernière conférence de l'année du CEP. Donc aujourd'hui, on accueille notre très cher Jean Leclerc, qui est professeur ici. Pour représenter brièvement, il est diplômé en philologie, en philosophie et en théologie. Il est chercheur à l'ISP et il fait aussi partie de l'Institut de recherche religion, spiritualité, culture et société. Et donc aujourd'hui, il nous présente une conférence sur le thème de « Faut-il encore des cours philosophiques à l'école ?» Et alors donc merci Tristan et merci à vous de m'accueillir. Et quand j'avais donc j'ai mis bien dans le titre, et donc pardon pour mon retard, la cérémonie des docteurs honoris causa, mais effectivement j'avais mis dans le titre des cours dits philosophiques, puisque vous savez qu'on parle en Belgique des cours entre guillemets philosophiques, ce qui évidemment pour nous qui avons fait la philosophie disons une partie de notre existence, en tout cas peut-être un métier pour certains, mais c'est très perturbant de se dire qu'il y a des cours philosophiques et que dans les cours philosophiques on met des cours de conviction, c'est-à-dire ce que nous appelons des cours de religion. Voilà. Alors c'est un sujet qui me tient à cœur depuis très longtemps, depuis vraiment très très longtemps, depuis que je suis ici. D'abord, quand je faisais ma thèse de doctorat, je me rappelle qu'il y avait des colloques à l'ISP, organisés par mes propres professeurs, Thierry Lucas, et donc on a vu vraiment beaucoup de monde venir travailler à l'ISP sur l'idée qu'on aurait pu avoir un jour un cours de philosophie. Et j'ai réintégré l'ISP en 98, donc oui, déjà en 98. Et c'est vrai que cette idée des cours philosophiques, c'était depuis à peu près les années 1990. Et quand j'étais nommé professeur ici, comme effectivement, oui, j'ai étudié la théologie de très près, et d'ailleurs ça m'a beaucoup intéressé, j'avais été invité à une conférence par le secrétariat de l'enseignement catholique, qui faisait une journée de formation pour les professeurs de religion catholique. Et la dame qui m'avait invité, qui s'occupait de la formation des professeurs en religion catholique, m'avait dit, écoutez, vous parlerez avec la liberté académique qui vous constitue de votre vision, de votre perception, de votre compréhension, de la place de la religion à l'école. Et je me suis retrouvé, c'était là, tout là-haut, c'était dans les auditoires des sciences, il y avait beaucoup de professeurs de religion, c'était extrêmement nombreux. Il y avait avec moi un théologien, Benoît Bourgine, mon ami Bourgine, et puis il y avait moi. Et j'ai dit, alors tout a évolué bien sûr, mais j'ai dit le fond de ma pensée que je vais encore vous expliquer ce soir, c'est-à-dire que les religions n'ont pas leur place à l'école. Je l'ai dit publiquement. Et j'ai tout de suite constaté qu'il y avait une adhésion très forte des professeurs de religion catholique dans l'amphi. Très forte. En disant, quelqu'un nous comprend. Alors, j'ai ramassé toutes les questions, il y en a eu beaucoup. Et puis alors après, celle qui était responsable de la formation m'a dit, oui, mais vous arrivez, on vous demande de parler de la place de la religion à l'école et vous venez casser la baraque. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne vous a pas demandé de faire ça. Mais j'ai dit, écoutez, alors il y a les quiproquos. Vous m'avez demandé de donner mon opinion. Je voulais donner de façon équilibrée. J'ai reçu d'ailleurs beaucoup de lettres de soutien, d'admiration des professeurs de religion catholique qui me remerciaient d'avoir posé les vrais problèmes. Voilà. Et j'ai dit à cette collègue, à un moment donné, il faut savoir ce que vous vouliez. Ou bien vous vouliez la propagande, ou bien vous vouliez la réflexion. Voilà. Puis alors, petite polémique s'est arrêtée. Et maintenant, je me retrouve en 2018 à parler de ça avec vous. Mais il est vrai que les choses, entre-temps, ont beaucoup évolué. Pourquoi? Parce que désormais, nous avons un cours d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté, le fameux CPC. Je pense que dans la mandature
communautaire, parce que l'enseignement est une compétence communautaire, la communauté Wallonie-Bruxelles, ben je pense que c'est le plus grand dossier, la plus grande modification de l'histoire de la communauté française pour cette mandature politique-ci. Je pense qu'on n'arrivera même pas à la même chose avec le pacte d'excellence ou la réforme de l'enseignement supérieur. C'est un dossier d'une extrême importance. Alors pour la conférence de ce soir, je voudrais donc essayer de revenir avec vous sur l'histoire. Qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là? Qu'est-ce qui a fait que ça va nous aider? Enfin, je pense à nos étudiants, mes étudiants qui sont mes amis, mais qui étudient la philosophie et qui un jour vont se retrouver, comme moi, en posture d'enseigner la philosophie, en tout cas le philosopher, avec cette dimension citoyenne. Alors, c'est ce que je voudrais essayer de cerner avec vous. Et puis, je voudrais aussi vous montrer pourquoi je tiens à cette hypothèse qu'au fond, les religions, en tout cas telles qu'on les pratique et telles qu'on les enseigne dans l'enseignement secondaire, n'ont plus leur place, ne devraient plus avoir leur place dans l'enseignement secondaire. Alors pour le faire, je prends au début trois cas concrets. Trois cas concrets, on pourrait les multiplier, j'en ai à l'envi. J'ai gardé aussi beaucoup de contacts avec des anciens étudiants que j'ai vus ici en philo, et qui sont devenus des professeurs de religion catholique dans le livre comme dans l'enseignement officiel. Donc je pourrais multiplier ce qu'on va appeler les témoignages à l'envi, mais je me tiens à trois cas. Le premier cas, je prends aussi une perspective très distanciée par rapport aux religions, parce que parfois dans certains milieux on me dit « oui, mais Leclerc, vous êtes anti-religieux ». Mais pas du tout, je ne suis pas du tout anti-religieux, enfin, ceux qui me connaissent le savent, mais donc je prends des cas dans toutes les convictions pour bien montrer que je ne focalise pas sur une conviction plus que l'autre. Alors le premier cas, c'est le cas d'un professeur de religion islamique qui s'appelle Khalid. Et il a étudié ici, à l'UCL, il a également suivi une formation en études islamiques dans la vie, externe à son métier d'enseignant de religion islamique. Il est actif dans sa communauté religieuse, il s'occupe d'une école d'arabe qui jouxte une mosquée de la région Bruxelles-Capitale. Et quand on l'interroge, il dit que la question de la pluralité dans son cours de religion islamique est une notion fondamentale. Il faut de la pluralité parce que, dit Khalid, la Belgique est un pays pluriel, pluraliste et multiculturel. Alors, à l'intérieur de son cours de religion islamique, il a organisé beaucoup de rencontres interconfessionnelles avec d'autres professeurs. Il a visité des mosquées, il a visité des synagogues, il a visité des églises, des cathédrales, il a visité des musées. Et il dit donc qu'à l'intérieur de son cours de religion islamique, il est important de parler du respect de l'autre et du dialogue interpersonnel. Et pourquoi? Parce que selon lui, ces valeurs trouvent leur origine dans le Coran. Car dit Khalid, le Coran prône le respect d'autrui et le dialogue interpersonnel. Ce sont des exigences internes à la révélation religieuse. Et quand Khalid exprime ce qu'il entend par la notion de respect, il dit que il s'agit de ne pas poser un jugement hâtif sur autrui, et il ajoute que ultimement le jugement revient à Dieu. Donc il faut du respect, c'est un fait, mais ultimement Dieu décidera. Et donc en ce sens-là, pour lui, il apprend dans son cours d'origine musulmane que un musulman, bien sûr, mais aussi quiconque, est un bon citoyen, et que singulièrement le Coran recommande de respecter les lois et les coutumes du pays où l'on se situe. Bref, c'est pour lui une absence totale de contradiction entre ce que nous allons appeler un prescrit religieux, coranique en l'occurrence, et ce qui est pour lui un prescrit
disons, interculturel, ou enfin, citoyen, si vous voulez. Cependant, quand on discute avec lui du dialogue interculturel, c'est uniquement les monothéismes. Il n'est par exemple jamais question de bouddhisme, il n'est pas question de taoïsme, il n'est pas question d'animisme, il n'est pas question d'athéisme. On se situe dans cette zone des trois monothéistes. Et donc, qu'est-ce que l'on voit dans le discours ? Il dit que son cours est très important parce que tout simplement, dans son cours de religion musulmane, il justifie l'acceptation des lois belges et même des lois européennes à partir d'une logique théologique dont il dit qu'elle n'est pas en contradiction avec ce qu'il appelle la logique citoyenne. Le deuxième cas est celui de Aveline. Alors Aveline, elle a des parents qui sont juristes. Elle a étudié dans un collège très hype. J'espère qu'il n'y a pas des garçons et des filles qui ont étudié au collège Saint-Benoît de Maretsou, non ? Alors je bois un peu de bière catholique. Orval. Et donc Aveline a fait ses études au collège Saint-Benoît de Maretsou et c'est là où elle a découvert la philosophie. Puis elle a fait un bachelier en philo à Saint-Louis, puis elle a fait un master en finalité didactique dans notre cher alma mater, comme on dit. Maintenant, vous avez vu que ce mot alma mater est revenu à la mode depuis la polémique du doctorat Ken Loach à l'ULB et que les journalistes disent en latin alma mater, ça veut dire la mère nourricière et c'est pour dire l'université, comme s'il fallait traduire la langue latine dans un langage vernaculaire. Alors elle a obtenu l'agrégation de l'enseignement supérieur, elle a fait un stage aussi dans un lycée très hype, ça je sais que certains d'entre vous en furent, c'est Martin V à Louvain-la-Neuve, et puis elle a fait chez nous un brillant diplôme en philosophie. Alors elle a d'abord enseigné dans l'enseignement officiel. Elle a été donc enseignante en Athénée et elle dit dans son témoignage que elle a été très attirée au début par la philo, bien sûr, mais ce qu'elle appelle aussi la spiritualité athée. Ça, c'est très intéressant, la spiritualité athée. Et puis, dit-elle, au fil de ses études, elle a senti, donc on est vraiment dans le langage des affects, elle a senti la foi chrétienne se développer en elle, mais elle dit qu'elle a une grande distance par rapport à ce qu'elle appelle l'orthodoxie dogmatique et l'institution catholique. Vous voyez ? Donc elle se dit libre, spirituelle, elle n'est pas l'Église catholique et elle n'est pas non plus l'orthodoxie dogmatique. Elle dit donc qu'elle cherche un christianisme libre, critique, et comme elle a étudié chez nous, elle dit qu'elle veut un christianisme. Peut-être que je l'ai eu en cours, alors elle aime peut-être bien ce genre de réflexion qui me plaise bien, un christianisme méta-réflexif. Voilà. C'est très beau, méta-réflexif. Vous savez que j'aime beaucoup le préfixe méta. Ben. Et donc, en fait, elle opère vraiment une distinction entre religion et spiritualité. La spiritualité, c'est la liberté, et la religion, c'est la contrainte, c'est le dogme, c'est le prêt-à-penser, voyez-vous. Et en ce sens-là, elle a aussi participé aux fameuses communautés de recherche philosophique, elle a même assuré de l'animation dans ces communautés de recherche philosophique. Et alors elle dit ceci dans l'enquête, au cours de religion, le but que je m'assigne, ce serait vraiment de les éveiller à la spiritualité, à quelque chose qu'ils ressentent, puis après, leur présenter la religion qu'ils ont choisie, en l'occurrence le christianisme. Ben oui, parce que comme elle est professeure de religion catholique, elle va passer de la spiritualité à la religion catholique. Et elle ajoute, et puis après, libre à eux, d'emprunter la voie qui leur parle le plus. Voilà. Si cette posture vous intéresse, elle est dite de façon beaucoup plus élaborée, mais vous allez aussi la retrouver dans un entretien qu'a donné mon collègue, et c'est aussi mon ami, Gabriel Raillet, ancien donc, vice-recteur de l'université, une émission à la première, il n'y a pas très longtemps, où lui aussi prône l'émergence de
des spiritualités à l'école, et comme il est un grand défenseur aussi des spiritualités qu'il appelle laïques, c'est un peu ambigu de parler de spiritualité laïque. Je pense que c'est une contradiction dans les termes, mais ça, c'est un dialogue et de la discussion entre nous, mais il est adepte de cette position. Alors, le troisième cas, comme ça, chacun aura sa petite, son petit témoignage, c'est le cas d'un professeur de religion protestante qui enseigne dans un grand athénée bruxellois. Et c'est un homme qui est en fin de carrière et qui voit donc arriver ce cours de philosophie et de citoyenneté qui est un peu brusqué par l'émergence de dossiers politiques. Alors lui, en plus, il s'est exprimé dans la presse. Donc on peut vraiment voir avec précision ce qu'il pense. Alors voilà ce que dit le professeur de religion protestante qui est vraiment en fin de carrière. Écoutez, parce que ça c'est très intéressant et ça décentre pas mal avec certaines obsessions que nous avons par rapport à l'islam et qui sont pour moi des formes d'islamophobie latente et assez subtile. Voilà ce que dit le professeur de religion protestante, et ce qui est assez vrai si par exemple comme moi vous promenez le soir en région bruxelloise et que vous regardez dans les églises les célébrations pentecôtistes, enfin il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à observer, les scènes de guérison. Il dit j'ai pas mal d'élèves africains dans mes cours de religion protestante et ils fréquentent des églises pentecôtistes. L'an dernier, nous avons abordé la question de l'homosexualité en classe. Et vous savez que c'est un sujet très tabou en Afrique. Donc c'est bien parce qu'on se descend de l'islam. J'ai cherché des textes montrant que le Christ fait passer la valeur humaine au-dessus de la loi de Dieu. La citoyenneté est intégrée à mes cours. Car je parle de racisme, je parle d'égalité homme-femme, je parle de discrimination, et peut-être que l'éducation, la philosophie et la citoyenneté sera l'occasion de rencontrer des professeurs de différentes options, d'aller vers différentes valeurs, d'avoir un dialogue entre nous, professeurs de religion et professeurs de morale non-confessionnelle. Donc, ici, nous sommes dans un troisième cas de figure. Nous n'avons plus quelqu'un qui nous dit, au fond, il n'y a pas de contradiction entre un prescrit civil et un prescrit religieux, c'est le cas de Khalid. Ce n'est pas le cas non plus de quelqu'un qui dit, mais non, on peut transiter du spirituel à la religion, il y a une place pour le spirituel à l'école. Ici, il nous dit, je vois dans mon cours de religion islamique cette question de l'homosexualité, et je vais trouver des textes dans le corpus religieux, en l'occurrence ici les évangiles, enfin je veux dire christianisme, qui vous montre que des textes qui montrent que le Christ fait passer la valeur humaine au-dessus de la loi de Dieu. C'est très compliqué à comprendre. D'autant plus que, sauf erreur de ma part, enfin, on a pas mal étudié la théologie, je ne vois pas de texte où le Christ, en tant que tel, parle de l'homosexualité. Par contre, dans le Premier Testament, oui, effectivement, il y en a. Et donc, ce troisième cas est évidemment très très intéressant, parce que pour évoquer évidemment la question de l'homosexualité qui choque ces étudiants, car ils sont homophobes, n'est-ce pas ? Il faut employer les mots justes. Pour des raisons religieuses et pour des raisons culturelles, qu'est-ce qu'il fait ? Il va chercher un fondement dans un texte religieux. Alors, est-ce que ça, mes chers amis, c'est la mission de l'école ? Est-ce que c'est la mission d'une école en communauté française de Belgique d'aller chercher des fondements, je me demande bien où ils y sont, mais enfin, pour répondre à une question de société comme celle-là? Est-ce qu'avec les étudiants de 12 à 18 ans qui ou bien sont confrontés à la situation la vivent, etc., la multiplicité de nos existences, est-ce que c'est dans le texte religieux que l'on va chercher le fondement pour pouvoir vivre ensemble? Alors, mon hypothèse est bien sûr que non, parce que précisément, je ne vais pas faire un truc là-dessus ce soir, sur cette question du rapport entre les religions et
on va le mettre au pluriel les sexualités. Ben, ceux qui suivent les cours que je donne en christianisme en question de sens, c'est que l'université me laisse donner avec une pleine liberté. Il y a un profond conflit. Les religions sont en désaccord profond avec nos évolutions sexuelles. Alors, ces trois cas, si vous voulez, que je choisis, ces trois témoignages, si vous voulez, me font dire que tout ceci montre, et pour des raisons de fond, vous voyez, qu'il était urgent de changer de paradigme, de sortir d'un système qui a donné beaucoup trop de place à cette vision des cours philosophiques, et qui, plus nous avançons en postmodernité, avec les textes qui sont les nôtres, et les textes qui nous fondent, et qui fondent notre vivre ensemble, les grands textes fondamentaux du droit, les déclarations, les textes fondateurs de notre histoire commune, qu'il fallait sortir d'un enseignement trop marqué par ce que je vais appeler dans cette soirée la religiosité, et donc déporter cet état de fait vers une formation à être citoyen, être citoyenne, et donc avoir un enseignement qui prend à cet égard toutes ses responsabilités. Voilà donc pourquoi, dès le début, j'ai vraiment plaidé pour qu'il y ait ce cours de philosophie et de citoyenneté, et pour que l'on sorte de ce système scolaire qui, c'est vrai, dépend de l'article 24 de la Constitution, pourra revenir dans les discussions, mais un système trop particulé à une notion qui me semble plus moderne, qui est celle d'éducation religieuse. Alors, comment en est-on arrivé là ? Bon, pour y reprendre les tout débuts de l'affaire, parce qu'après tout, c'est une vieille histoire, même déjà des professeurs de l'ISP, Jean Ladrière, Tamignot, Trois-Fontaines ont fait partie de commissions où il s'agissait de réfléchir à la place de la philosophie dans l'école. Et c'était un sujet tabou. C'était beaucoup trop compliqué, d'abord en raison de la structure de nos cours philosophiques, mais aussi en raison de certaines déclarations politiques. Je me rappelle qu'à l'époque, le président du Parti Socialiste actuel, Élodie Rupeau, qui a quand même été ministre de l'Éducation, disait « Mais non, nos étudiants n'ont pas besoin de philosophie, ils ont besoin de sport. » Voilà. Il fallait plus de sport à l'école. Ben oui, il l'a dit après très longtemps. Donc c'était un sujet extrêmement ambigu. Donc je ne vais pas remonter jusque-là. Je vais remonter jusqu'à peu près 6 ans. Et c'est très intéressant parce que c'est revenu en ce moment. Après une phase de mise en place, il y a un nouveau tangage actuellement. C'est qu'on est en janvier 2012 et il y a un député MR qui s'appelle donc Richard Miller, député du mouvement réformateur, qui est toujours en place, d'ailleurs, mais il est au gouvernement fédéral, finalement, et c'est un homme qui a fait la philo comme nous. Il est docteur en philosophie de l'UB, il a fait sa thèse de doctorat avec mes amis de Charmeux et mes comparses. Et il interpelle la ministre de l'Éducation à l'époque, qui est donc Madame Simonnet, qui va donc quitter la responsabilité de l'enseignement, en tout cas de l'éducation, pour la maladie qui l'a frappée à l'époque. Et donc, heureusement, elle s'est sortie. Donc, député Miller, avec un écolo, M. Renquin, qui n'est plus en fonction pour le moment, et au fond, ils reviennent sur cette idée qu'il faudrait du commun dans ces cours où les enfants sont séparés. Voilà. Il faudrait du commun. Donc, il faudrait que ça se parle, vous voyez ? Il faudrait que ça se parle dans l'enseignement officiel. Je ne parle pas de l'enseignement officiel. On ne parle pas de l'enseignement catholique ou de la religion catholique. Comme moi, j'ai eu. Et vous savez, à cet égard-là, je le dis toujours. Moi, j'ai eu des professeurs de religion passionnants. Mais passionnants. Et c'était d'ailleurs. J'en ai eu plusieurs, mais il y en a une. On y a fait tous les sales coups possibles et imaginables. On prenait le crucifix, on le foutait dans sa balle d'aide. Mais voilà, elle c'était très anecdotique. Mais j'ai eu mes deux meilleurs professeurs de religion, c'était d'ailleurs deux prêtres. Il y en a un, on a fait tout Freud avec lui. Tout Freud, vraiment, j'assure, j'ai gardé son polycopier. Et l'autre, on a fait toute la morale, mais comme il était anti-catho, on a été rigoureusement bien formés. Voilà. Donc, c'était ça aussi, la question du cours de religion. Mais donc,
ils interpellent la ministre et ils leur posent la question de savoir si on ne devrait pas développer un tronc commun à l'ensemble des cours de religion et de morale. Un tronc commun à l'ensemble des cours de religion et de morale. Et la ministre, elle est CDH, elle aime bien cette idée-là. Elle aurait bien vu au début un référentiel commun, donc à des cours de religion et des cours de morale. Mais vous vous imaginez, un référentiel, ça passe par un parlement. Est-ce que vous imaginez un parlement qui, vivant de la séparation du théologique et du politique, devrait voter un référentiel pour un cours de religion? Impossible. Donc c'était une situation évidemment extrêmement complexe que de créer du dialogue dans ces cours philosophiques. Et donc il a été évidemment hors de question qu'un parlement avalise des textes, des cultes à destination des écoles. Mais en tout cas, on voyait bien que la ministre avait l'intention de confier ce qu'elle appelait le questionnement philosophique aux cours de religion. Donc ça veut dire que dans les cours de religion, il y aurait eu du questionnement philosophique. Et donc en ce sens-là, on sait, vous savez, toujours en politique, il y a toujours une manœuvre, en tout cas, il y a toujours une stratégie, il y a toujours la volonté de garder quelque chose. Et donc, en tout cas, pour elle, à l'époque, c'était l'occasion de blinder la présence des cours de religion à l'école. Alors, dans un deuxième temps, quand elle a vu la difficulté des réactions, elle a proposé que le référentiel qu'elle devait abandonner pour des questions de séparation du théologique et du politique, n'est-ce pas, devienne ce qu'elle a appelé une nomenclature commune. Une nomenclature commune. Ça, c'était une invention de cabinetard, de conseiller politique, qui a trouvé, après moult réflexions ou lectures de l'article, quoi, la notion de nomenclature commune. Alors, elle voulait des activités communes, donc entre les cours de religion et les cours de morale. Et qu'est-ce qu'elle disait? Elle voyait trois dimensions, trois perspectives dans cette nomenclature commune. Un, la formation citoyenne. Deux, le questionnement philosophique. Voilà, elle revient de cette façon-là. Et trois, ce qu'elle appelait le dialogue interconvictionnel. Ça, c'était son idée. Et j'ai beaucoup de respect pour Richard Miller, mais il revient un peu actuellement. Cette idée-là, qui ne l'a pas lâchée. Et je vais vous montrer ce soir pourquoi, théoriquement, c'est impraticable si on est dans une posture philosophique, et si on est vraiment dans une posture citoyenne, et si on a pris acte de la séparation du théologique et du politique que nous avons étudié dans nos cours, depuis Spinoza en particulier, et peut-être même avant, en tout cas depuis Spinoza et avec la philosophie. Alors, fort heureusement, comme toujours, il y a des gens qui pensent, qui réfléchissent. Et tout de suite après, le CEDEP. Donc, le CEDEP, c'est une organisation qui regroupe des associations qui, c'est vrai, sont essentiellement laïques et qui, en tout cas, veulent défendre l'enseignement public. L'enseignement public. Et même l'instruction publique. Moi, au moment de la réforme des cours philosophiques, j'ai beaucoup travaillé avec eux, donc j'ai souvent travaillé, travaillé ensemble au Centre d'Action Laïque, à l'ILB, et des gens vraiment formidables, vous voyez, qui réfléchissaient. Et qu'est-ce qu'ils ont dit tout de suite? Ce modèle proposé par la ministre, que Richard Miller ne refusait pas, est un modèle impraticable. C'est impraticable, on ne peut pas. Et c'est eux qui ont tout de suite mis une proposition sur la table en disant « Il nous faut un cours de philosophie, il nous faut un cours de citoyenneté, les étudiants ont besoin de formation critique, et aussi, disait-on au CEDEP, il faut un cours où on parle de la connaissance historique des religions, des mouvements de pensée, mais attention, selon quoi ? Ben selon les principes de la neutralité. » Et alors,
vous savez que je répète toujours l'étymologie. Je vois les visages qui s'illuminent quand je rappelle tout ça. Vous savez que la neutralité, c'est du latin, né ou terre, ni l'un ni l'autre. C'est ça la neutralité. Et quand on veut dire, oui, la neutralité, tu sais bien que ça n'est. Mais non, non, c'est une exigence d'être neutre. Ce soir, je suis vraiment neutre avec vous. Par obligation universitaire et par obligation politique. C'est ça ma neutralité. Je suis en garde, je suis en retenue. J'essaye de faire un travail dialectique en moi, une forme de neutralité, c'est-à-dire pour qu'on soit vraiment dans l'ordre de l'exposition. Voilà. Et ça ne veut pas dire que si on est neutre, on n'est pas engagé. Je suis très engagé. Mais c'est un défi que d'être neutre et engagé. Alors, on est en 2012, et alors il va se passer quelque chose de très 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 important. Pourquoi ? Parce qu'il faut vous dire qu'à cette époque-là, le monde parlementaire, qui est quand même un lieu fondamental de la décision, est quand même dans une sorte de chaos. Ils ne savent pas très bien ce qu'ils doivent penser, qu'est-ce qu'il faut faire. Et vous savez, dans ce pays, dès qu'on touche à l'enseignement, la guerre scolaire. Donc ils veulent bien faire la guerre ailleurs, ils veulent bien financer les F-16, pour autant que la guerre soit hors de chez nous. Mais chez nous, on ne peut plus parler de la guerre scolaire. C'est absurde. Mais c'est absurde. Et qu'est-ce que font les parlementaires de la commission éducation ? On est en 2012, on connaît la mandature précédente, on n'est pas encore dans la mandature PS-CDH. Mais ils font des auditions parlementaires. C'est une bonne façon de faire les choses. On est en commission, donc quelques députés, et on auditionne des experts. Et, comme souvent, c'est pour ça que le droit est très important, je dis ça à Peter qui est là, et ils invitent des juristes. Bon, ils invitaient beaucoup de gens, mais bon, ils invitent des juristes. Et ils invitent des juristes selon les trois, je vais dire, nos équilibres. Ils en prennent... Et tous les équilibres sont respectés. Et donc, ils vont auditionner le professeur Berendt, constitutionnaliste à l'ULG, le professeur Dumont, constitutionnaliste à Saint-Louis, Dumont, et puis... bonsoir Sébastien, assieds-toi. Et donc, et puis, alors, ils interrogent le professeur, le troisième constitutionnaliste, c'est le professeur... Marc Heutendahl de l'UMB, bon, éminent constitutionnaliste. Alors c'est très étrange parce que quand on discute avec eux, bon, Beren, je ne le connais pas, mais bien les deux autres, mais ils me disent tous les deux, mais non, tu sais, on était là, on a répondu à des questions parlementaires, on avait l'impression qu'on avait fait flop. Eh bien, pas du tout. L'audition des constitutionnalistes, je crois, libère les parlementaires qui se disent que quelque chose est possible. Et alors, quel est le coup de génie des constitutionnalistes ? Ça consiste à leur dire, vous savez, on peut changer cette question des cours philosophiques sans crainte du pacte scolaire. Et alors, c'est le coup de génie de Marc Heutendahl qui lit la Constitution et qui dit que dans la Constitution, on emploie le verbe « offrir ». Et Heutendahl dit « offrir ». Oui, ben, je peux offrir une gorgée de bière à Peter ou à Nathan. Ben, ils vont la refuser par décence, par respect. Ils sont très très bien éduqués. Mais vous voyez, ou je peux vous offrir, je ne sais pas quoi, une montre, vous allez refuser. Bon. Donc dit Heutendahl, c'est très bien. Donc l'offre, on peut la refuser. Et alors il dit ça, oui, c'est vrai. Ben, jamais pensé. Puis Heutendahl dit, oui, mais une éducation religieuse, c'est quoi ? J'avais dit qu'il fallait 2 heures par semaine. Il m'a dit, ça, oui, c'est vrai. Et chose intéressante, dans ce dossier des cours philosophiques, c'est le droit qui va sans cesse rappeler l'esprit. Le droit. C'est chaque fois que le droit va intervenir au Conseil d'État, à la Cour constitutionnelle, que je vais vous montrer, c'est le droit qui va ramener... J'ai envie de vous dire l'église au milieu du village, la mosquée au niveau du village, le temple au milieu du village, tout ce que vous voulez. C'est le droit qui va voilà, redonner une affaire à ça. Donc, c'est un moment extrêmement important que
mars 2013, l'audition des constitutions. Et puis, nous allons voter, vous le savez, on vote, c'est long, hein, parce que vous savez, mon parlementaire, tout est long. On vote en mai 2014, il y a 4 ans, ça a quand même été vite, et il y a une déclaration politique communautaire qui sort en juillet, et au grand étonnement de tout le monde, qu'est-ce qu'on voit? On voit ceci: le gouvernement instaurera sous cette législature dans les écoles de l'enseignement officiel, notez ça, dans les écoles de l'enseignement officiel, à partir de l'école primaire, un cours commun d'éducation à la citoyenneté dans le respect des principes de la neutralité, en lieu et place d'une heure de cours confessionnel ou de morale laïque. Ce cours sera doté de référentiels spécifiques, incluant un apprentissage des valeurs démocratiques, des valeurs des droits de l'homme, des valeurs du vivre ensemble et une approche historique des philosophies, des religions et de la pensée laïque. En aucun cas, cette réforme ne pourra entraîner la perte d'emploi pour les enseignants concernés en place. Ça, on est en juillet 2004. Et c'est vraiment un coup de tonnerre, parce qu'il y a un accord en deux parties qui sont à cheval sur ce truc-là, parce qu'il y a un fonds de commerce, tant pour le CDH que le PS. Et on dit, ben voilà, enseignement officiel, c'est terminé les 2 heures, il y aura 1 heure de philosophie et de citoyenneté, puis il y aura 1 heure de cours dit philosophique. Vous avez vu qu'on ne parle pas du tout de l'enseignement libre, pas de l'enseignement officiel. Puis alors, il y a quelque chose de très important, il n'y aura pas de perte d'emploi. Et ça, je dis souvent à mes amis professeurs, attendez, mais le gouvernement prend très bien une autre disposition, en disant, vous savez, vous êtes un corps de fonctionnaires, on vous recycle, là, il n'y a pas de souci, on va vous faire passer ici et là. Ils ne l'ont pas fait. Et donc, tous ceux qui me disent, ah, c'est chaotique, oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez du Caterpillar, vous voulez du Lidl, vous voulez du Mesdac, Carrefour, ou bien vous voulez un gouvernement qui prend en considération la situation dans laquelle on est. Mais un gouvernement qui dit, ça suffit, il faut qu'on arrête avec ce système éducatif qui ne performe plus. Voilà. Il ne faut pas oublier ça. Alors, ça c'est la déclaration politique communautaire. Vous savez, dans une déclaration politique communautaire, vous pouvez mettre tout. Hein. Il n'est pas dit que vous allez la mener à terme. Dire, oh, en fait, législateur, oui, on a beaucoup. Bon. Et puis alors, qu'est-ce qui arrive? Les attentats. Les attentats en janvier 2015. Et on voit, parce que comme Marie-Dominique Simonet a son cancer, elle a été remplacée donc, par Madame Bilquet, et on voit Joël qui débarque sur les plateaux, qui nous explique avec force geste, comme ça, que ben, il faut vraiment la citoyenneté à l'école, parce qu'il y a des attentats, donc il faut... Et ça, je vais vous dire, bon, j'ai un immense respect pour elle, je lui ai dit d'ailleurs, souvent, même parfois dans des débats publics, quand tout le monde la critiquait, je la faisais vraiment applaudir, parce qu'elle a été extrêmement courageuse. Mais arriver le soir d'attentat en disant « il faut de la philosophie et de la citoyenneté à l'école », pour moi c'était stigmatisant par rapport aux enfants de conviction musulmane. C'était pas mieux. Mais bon, on sait que le politique fonctionne comme ça. Il y a un problème, bah, il faut qu'on fasse un truc. Il y a un député qui traite quelqu'un de... Alors il faut qu'on fasse un truc. Et on se réveille quand tout va mal. Mais en tout cas, donc, elle ressort et on sent que cette idée de la déclaration politique communautaire, elle va se réaliser, qu'ils vont y travailler. Et puis, qu'est-ce qui arrive? Il y a en mars 2015, et ça je m'en rappellerai, moi quand la vie est tombée, j'étais vraiment dans une émotion absolue, c'était un jeudi après-midi. Voilà. Et il y a eu un avis de la Cour constitutionnelle. Pourquoi? Parce que la Cour avait été saisie d'une question qu'on appelle une question préjudicielle, qui venait d'un cas de figure qui s'était passé à la ville de Bruxelles. C'était des parents, alors ses parents sont bien connus, hein, c'est M. Pasquale qui fait les recettes à la RTBF, qui nous apprend à cuisiner. Et alors, il avait une fille qui était scolarisée à la ville de Bruxelles.
Et Di Pasquale disait « Je veux plus que ma fille suive le cours de morale. » Sous-entendu morale non confessionnelle que certains appelaient morale laïque. Et en disant « Mais parce que le cours n'est plus neutre. » Ben oui, il dit, au cours, on apprend que la vie est finie. Mais ça, c'est pas la neutralité. Dire « La vie est finie », ça, c'est déjà prendre une opinion. C'est une option. Ben alors, très ennuyé, au tribunal, donc on pose une question. Et en mars 2015, la cour rend un avis à la question préjudicielle. Et qu'est-ce qu'elle dit? Et c'est là où c'est un coup de tonnerre. Bon, on savait que ça allait tourner en sens. Elle dit que on n'est pas obligé de suivre un cours dit philosophique. On n'est pas obligé de le suivre. On peut donc en demander la dispense. Premièrement. Deuxièmement, la cour dit que quand on demande la dispense, on n'est pas obligé de révéler la cause parce qu'on ne dévoile pas ses convictions. Et que donc une conviction, ça appartient à une vie privée. Et troisièmement, elle dit que le cours de morale non confessionnelle s'appelle le cours de morale laïque et plus l'autre. Ça, c'est un coup de tonnerre gigantesque. Et il motive, vous savez, après, ils ont parlé. Donc on se trouve dans un chaos. La cour, enfin la plus haute juridiction du pays, hein, la plus haute juridiction. Tout magistrat rêve de finir sa vie à la cour. Ses beaux habits. Voilà. Et donc, ça c'est l'avis de la cour constitutionnelle. Et c'est vraiment un bouleversement absolument considérable. Est-ce que ça pouvait exister avant? Oui, ça pouvait exister avant. Par exemple, ma filleule, une de mes nombreuses filleules, était, en raison d'un handicap profond, elle était scolarisée dans l'enseignement spécial. Et sa maman ne pouvait pas la mettre ailleurs que dans cette institution-là, qui était une institution qui appartenait à l'enseignement libre catholique. Et ma petite filleule, qui est grande maintenant à l'époque, a donc dû suivre dans cet enseignement spécialisé un cours de religion catholique. Bon. Puis un jour, elle a commencé à faire des cauchemars. Puis elle va trouver sa maman un jour et puis elle lui dit « Mais écoute, je ne comprends pas, il y a qui en moi ?» Alors sa mère avait fait philo. Non mais sa mère avait fait philo. Alors elle s'est dit « Oh, peut-être qu'elle va me parler bloc. » Mais il y a qui en moi ?» Elle dit « Qu'est-ce que tu veux dire ma chérie ?» Et alors elle lui dit « Mais non, mais parce qu'au cours de religion catholique, la professeure, elle nous dit que Jésus est en moi. » Et alors elle dit à la classe, on se retrouve, on se met en rond, on doit parler de nos fautes. Elle dit que ce sont nos péchés, et nos péchés, nos fautes, on doit les écrire sur un petit papier, et puis on va les mettre dans un tabernacle. Elle avait des difficultés à prononcer le mot tabernacle, mais on va les mettre dans un tabernacle parce que elle dit que nos fautes, elles vont dans le cœur de Jésus qui est dans le tabernacle. Mais elle dit, mais il est où alors Jésus? Il est dans le tabernacle ou il est en moi? Oui, mais nous rions, mais imaginez, enfin, métaphysiquement parlant, c'est lourd pour un enfant, enfin même pour moi avec ma vieillesse. C'est très très lourd, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oui, mais la petite n'allait pas bien du tout. Ça, vraiment, elle était très très... voilà. Et donc, sa maman est allée trouver la professeure de religion en disant bah, « Écoutez, je crois que je vous demande qu'elle ne suive plus le cours. » Alors, il a fallu motiver. Pourquoi? Bon. Puis elle s'est retrouvée quoi? À l'étude. Avec une deuxième petite fille, qui était une petite fille qui avait un handicap comme elle, mais qui était de conviction musulmane. Et la maman ne souhaitait pas que la petite fille de conviction musulmane aille à la messe. Parce qu'il fallait aller à la messe une fois par mois. Voyez. Bon, elles avaient obtenu la dispense. Il y avait des phénomènes de dispense. Mais il fallait motiver et donc il fallait révéler sa conviction. Eh bien, la cour dit que tout ceci, ce n'est donc pas nécessaire.
Alors, la ministre Milquet, elle est confrontée à cette réponse de la Cour constitutionnelle. Et là, c'est pour ça que je dis, elle est courageuse. Joël Milquet, elle est très courageuse. Pourquoi ? Parce qu'en Flandre, c'était déjà le cas. C'était le cas. Les enfants étaient dispensés. Mais comme il n'y avait rien, les parents, évidemment, n'avaient pas envie que les gosses foutent le camp de l'école. Donc, il n'y avait rien qui se passait. Et Milquet dit, Madame Milquet, la ministre dit, mais non, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut trouver un moyen d'accompagner cette réponse de la Cour constitutionnelle et de trouver une transition. Et c'est là où elle invente, parce qu'elle ne peut pas comme ça sortir de son chapeau un cours, elle invente ce que certains vont malheureusement appeler le cours de rien. Et ça, ceux qui ont lancé cette formule-là ont une lourde responsabilité. Elle parlait d'un cours d'encadrement pédagogique alternatif, le fameux EPA, mais c'était normal, la Cour venait de rendre un avis, elle ne pouvait pas. Bon, elle a voulu donc trouver un encadrement pédagogique alternatif pour que les enfants qui voulaient la dispense puissent faire quelque chose. Et ça, c'était très courageux. C'est pour ça que c'est vraiment... J'ai beaucoup de respect pour elle. Et une admiration. Elle est très courageuse, surtout dans son parti. Elle a la contre-courant de son parti. Je crois que ça n'aurait pas été elle. Le CDH n'aurait jamais fait un geste aussi courageux. Elle s'est dit, bon, allez, il y a la Cour, il y a la déclaration politique, allez, on y va. Voilà. Et alors un jour, ça c'est pour l'anecdote, mais vous savez que elle était en commission parlementaire, elle a oublié d'éteindre son micro. Et alors elle a dit, ouais, moi le cours de religion, je m'en fous. Non mais, elle disait ça un peu, c'était un peu en rigolant comme ça, mais non, mais pour dire qu'elle était prête à réfléchir, quoi, qu'elle sentait que, voilà, il y avait un changement, ce qu'on a appelé un changement de paradigme. Alors, elle fait tout donc, pour essayer de mettre en place ça, et alors, il y a donc une commission parlementaire qui va se mettre en place, et donc en juillet 2015, les conclusions de la commission parlementaire vont déboucher sur la volonté de créer un cours de philosophie et un cours de citoyenneté qui aura donc une orientation vers la démarche philosophique. Et la commission décide qu'il y aura donc une heure en remplacement d'une des deux heures, et puis qu'il y aura une deuxième heure de cours philosophique. Et que les élèves, la cour permet, qui vont demander la dispense, ils auront une deuxième heure de philosophie et de citoyenneté. Et on dit que ceci sera pour l'enseignement officiel. Et bardave, c'est l'embardé. Le projet de décret passe au Conseil d'État et le Conseil d'État retoque le projet de décret. Et qu'est-ce que le Conseil d'État dit ? Ah oui, mais si vous nous dites que la philosophie et la citoyenneté, c'est tellement fondamental pour les enfants, alors ça doit valoir pour tous les réseaux. Pourquoi dit le Conseil d'État ? D'abord, parce que c'est le droit supérieur de l'enfant. Et ça, pour moi, c'est très important, cette question du droit supérieur de l'enfant, parce que on pourrait regarder ce que dit la Constitution là-dessus, et je crois qu'il y aurait une belle piste de sortie aussi. On pourra y revenir dans la discussion si vous voulez. Mais le Conseil d'État dit aussi, attention, si l'enfant change de réseau, je ne sais pas, on l'a mis ici, Brice est scolarisé d'abord dans l'enseignement officiel, à Arlon, de 12 à 14, puis à 14, 18, il passe à Martin V. Ah ! Il passe de l'enseignement officiel à l'enseignement catholique. Qu'est-ce qu'on fait ? Il a eu philo-citoyenneté, puis qu'est-ce qu'on fait ? Donc le Conseil d'État dit, oui, quoi ? La continuité du programme pédagogique de l'enfant, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est là où le projet repart, en disant, oui, au fond, la philosophie nationale, pourquoi est-ce que ce serait le privilège de l'enseignement ?
officier. Vous voyez comment, à nouveau, le droit dit, en fait, l'esprit. La Cour constitutionnelle dit une chose fondamentale. Et derrière ça, la Cour dit au fond qu'il faut séparer le privé et le public. La Cour a une vision privée de la conviction religieuse. On dit, moi je suis un grand partisan de la vie privée sur le plan de la religiosité. On dit, c'est pas de quoi tu parles. Ben si, je sais bien, la religion elle est omniprésente. Omniprésente. Mais simplement, c'est pas ça qui nous empêche d'en faire une affaire privée. Ben ici, l'avis du Conseil d'État est vraiment extrêmement important. Et donc, il va y avoir la volonté de prendre en charge cet avis du Conseil d'État. Et qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un référentiel unique, inter-réseau. Alors, il va y avoir deux commissions, et certains des profs chez nous ont bossé dans ces commissions, qui ont donc mis au point des référentiels inter-réseau, c'est-à-dire pour le réseau catholique, enfin, libre catholique, parce qu'il n'y a pas que le libre catholique, enfin bon, en gros pour le moment, et puis pour l'enseignement officiel. Et donc, on en est arrivé à ces beaux référentiels que vous étudiez, je suppose, ou que vous avez regardé de près, dans cette idée qu'il y avait là matière à avoir un cours de philosophie et de citoyenneté. Alors, quel est le problème qui est apparu? C'est que l'enseignement officiel a pris la chose au sérieux. Il y a donc un cours de philosophie et citoyenneté, un cours CPC, une heure, puis un cours de religion ou un cours de morale, et puis ceux qui veulent la dispense, ben, ils ont deux heures de CPC. Dans l'enseignement catholique, qu'est-ce qu'on a dit? On ne va pas faire un cours. On va faire de... C'est pour ça que j'ai commencé par 2012 avec Madame Simonet. On va laisser percoler la citoyenneté dans les cours. En fait, on est retourné sur le modèle en quelque sorte initial. Et alors on a dit, mais on va faire de la citoyenneté dans le cours de religion. Puis on va en faire en français. Puis on va en faire en histoire. Puis on va en faire en géographie. Bon, pour les matières qui nous intéressent, comment est-ce qu'on peut faire de la religion et de la citoyenneté? Comment est-ce qu'on fait avec le cas du professeur de religion protestante? On fait quoi? On fait comment? On fait de la citoyenneté dans le cours de religion protestante? On pourrait dire en l'occurrence dans le cours de religion catholique. On dit quoi? On va chercher les principes de Jésus dans l'Évangile qui nous dit qu'il y a des valeurs humaines supérieures, ou bien on parle des décrets, des lois de la Belgique qui condamnent le racisme, la xénophobie, l'homophobie en particulier. Qu'est-ce qu'on fait quoi? On va où? Puis on fait comment? Puisque quand le cours est décidé, attention, c'est un cours certificatif, donc ça veut dire qu'on le note. C'est un cours qui est soumis à la neutralité, c'est-à-dire qu'on n'a pas de signe d'apparence convictionnelle quand on le donne. Donc si vous portez un voile, une kippa ou une grande croix, et que vous donnez ce cours de philosophie sur c'est impossible. Voilà. Donc, neutralité, un cours certificatif, et attention, un cours inspecté par la communauté française de Belgique. Et donc on fait quoi dans ces classes avec les enfants? Qui vont donc se choper deux inspecteurs. Ils vont se choper l'inspecteur pour le cours de religion catholique, parce que le cours de religion catholique, il subsiste, et puis ils vont se choper un inspecteur pour le cours de citoyenneté. Ça ne va pas. On en est là. Bien sûr, c'est un secret pour personne. Les recours sont là. Il va y en avoir. Et je pense que dans quelques temps, le droit va redonner la direction. Je regrette, et je le dis en toute franchise, en toute liberté, je regrette que l'enseignement libre, catholique, n'ait pas pris au sérieux le cours de philosophie et de citoyenneté. Pourquoi? Parce que sur le fond, vous voyez que cette notion même de citoyenneté, elle exige
de penser la séparation du théologique et du politique. Nous ne sommes pas sur le même socle. Nous ne sommes pas sur la même base. Et donc, je n'ai aucune difficulté à ce qu'il permane un cours de religion dans l'enseignement libre. Mais je dis que si on veut faire un cours véritable de philosophie et de citoyenneté, alors il faut cette exigence de neutralité, de certificabilité et d'inspection. Et que donc, en ce sens-là, il faut vraiment prendre les mesures pour que ce soit un cours qui sorte de la façon dont pense la religiosité, c'est-à-dire elle pense, et on peut même le voir d'une façon positive, de façon dogmatique. Mais sur le fond, il y a quand même un grand progrès. Pourquoi ? Parce que je pense, si vous voulez, que, et c'est un secret pour personne, tout le monde le sait, je suis un partisan du réseau unique. Mais je pense que c'est très important ce qui est arrivé avec le cours de philosophie et de citoyenneté, parce que nous étions dans un système terrible. Vous entrez à l'école, et je ne parle même pas ici des réseaux, hein. Vous entrez à l'école, ou bien vous allez, comme ça a été mon cas, le collège le plus proche, vous savez, moi je suis d'une famille très modeste, le collège le plus proche c'était un collège catholique, ben, je suis allé au collège catholique. Pourquoi ? Parce que pour aller à l'Athénée, il fallait payer un bus. On n'avait pas d'argent pour payer le bus. Bon, il y avait un vélo, c'était 2 km, donc j'allais au collège catholique. Voilà, pff, la belle affaire. Bon. Ça aurait été un Athénée qui était à 2 km, ça aurait été l'inverse. J'aurais été à l'Athénée, vous savez, ma mère, moi, bon. Bon. Mais vous entrez à l'Athénée. Et vous entrez dans l'enseignement, même très tôt. Et vous devez choisir une orientation, quoi, philosophique, enfin entre nous, ben religieuse. Donc qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes dans un système scolaire qui organise la ségrégation. Et on vous dit, ben oui, vous allez entre moral, protestantisme, etc. C'est hallucinant. C'est hallucinant au XXIe siècle. Alors que nous savons que les identités sont multiples. Nous savons que les identités sont fluides, nous savons qu'elles se construisent et qu'elles se déconstruisent, et on nous met dans des segments, et en fait on a un système qui organise quoi ? La ségrégation, qui nous répartit, et qui nous répartit selon quoi ? Les choses du sens, les choses de l'ordre de la religiosité. Quand tout va bien, tout va bien, mais quand vous avez des parents de conviction juive, qui viennent vous dire, vous savez, monsieur Leclerc, oui, moi, mon gauche, je l'ai retiré du cours de religion musulmane, de religion juive. J'ai pas envie d'avoir une Kalachnikov dans la classe. Vous vous rendez compte ce que ça provoque ? On est loin des discours, des interconventionnels, il faut qu'on s'aime tous. Mais pas du tout. C'est ça, moi, qu'est-ce que j'en ai entendu de parents comme ça ? Pourquoi ? Alors, vous allez me dire, oui, c'est ponctuel. Oui, et j'espère que ce sera ponctuel. Mais ça peut déboucher sur ce genre de situation. Et donc, il me semblait que le système de nos cours philosophiques était un système de la séparation, un système de la ségrégation, et un système qui, sur le plan du sens, n'était pas bon, puisque nous étions divisés. Et on s'en rappelle tous, on en a connu les copains qui étaient à l'Athénée ou qui étaient au collège, catho, etc. En morale, qu'est-ce que tu fais ? Rien ! On regarde la TV, viens, c'est super, on y va tous. Toutes sortes de trucs comme ça, ou bien en protestant, c'est très chouette, ou bien... Bon, ben voilà, je pense que c'était un système qui n'était pas bon, donc parce qu'il organisait la ségrégation et la séparation des étudiants. Donc il nous fallait ça. Mais en plus, je pense que c'est un système qui donne trop d'impact à la question de la religion à l'école. Et en ce sens-là, je vais dire que, sur le plan de la philosophie politique, je serais plutôt un républicain. Au sens vraiment de la Troisième République ou de l'enseignement républicain. C'est-à-dire que pour moi, l'école, c'est le lieu, bien sûr, de la pédagogie, c'est le lieu de l'éducation, mais c'est aussi le lieu de l'instruction publique. Et à l'école, on apprend à être un citoyen. On apprend à construire la citoyenneté, ce qu'on appelle par ce terme bateau, enfin bon, le vivre ensemble. On apprend ça à l'école. Et ça, c'est la mission de l'école. Et en ce sens-là, quand j'ai vu donc apparaître cette idée d'un cours de philosophie et de citoyenneté, je me suis dit, c'est bien, parce que l'école prend sa responsabilité.
Et l'école décide que, depuis le plus jeune âge, parce qu'on passe quand même un temps considérable à l'école, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, 18 ans, j'espère que cette idée d'arrêter l'école à 16 ans est une horreur pure. Ça m'a très fort scandalisé quand j'ai entendu ça, cette proposition du ministre Jolet. Jusqu'à 18 ans, l'école doit nous former à la citoyenneté. Mais justement à la citoyenneté, c'est-à-dire pas à la religiosité. Pas à la religiosité, mais à la citoyenneté. Et bien sûr, être un citoyen, c'est intégrer dans sa formation citoyenne la question de savoir qu'est-ce qu'on fait de sa liberté de croire, qu'est-ce qu'on fait de sa liberté de religion, sa liberté de conviction, sa liberté de conscience, etc. C'est ça aussi être citoyen, parce que il ne s'agit pas du tout de se dire que la citoyenneté, c'est un corps de adogmatique, d'athée, c'est pas une mythe. Mais c'est faux. Bon. Mais c'est-à-dire de réfléchir à ça, de réfléchir en commun, et d'avoir quoi ? Ben d'avoir la philosophie comme perspective. Et à cet égard-là, vous pouvez vraiment lire le décret, parce que ça fait partie de ces... Mais vous l'avez sans doute fait, ça fait partie de ces tout beaux décrets. Il y a comme ça quelques beaux décrets qui sont vraiment des textes politiques bien faits. Ils ont été bien écrits, il y a eu des bonnes plumes, des bons scribouillards qui ont bien écrit, et voilà, des belles formules, des belles... C'est bien fait, c'est... Voilà. Et il y a des bons juristes aussi qui contrôlent tout ça, mais c'est des beaux décrets, par exemple le décret citoyenneté, le décret neutralité, c'est un texte fabuleux. Bon, voilà. Et bien ce décret-là, qui donc décrète le cours de philosophie et citoyenneté, c'est un très beau décret. Pourquoi ? Parce qu'il dit quoi ? Il dit qu'on prend la philosophie, puis qu'on prend la citoyenneté. Mais vous savez, philosophie, citoyenneté, c'est pas pareil. La philosophie, c'est une discipline. Et elle est reconnue. Il y a des habilitations dans l'enseignement secondaire, puis il y a une école doctorale en philosophie. Puis on dit un objet, ben, la citoyenneté. On n'a pas dit la sociologie de la citoyenneté. On n'a pas dit l'histoire de la citoyenneté. On a dit la philosophie et la citoyenneté. Ça veut dire que donc le législateur a pris l'orientation philosophique. Et pourquoi est-ce qu'il a pris l'orientation philosophique ? D'abord, ça c'est vrai parce qu'on s'est arrangé pour que ça se passe comme ça. Moi j'ai dit très tôt, quand j'ai vu arriver ça, j'ai dit aux collègues, il faut qu'on se regroupe. Toutes les profs du NIF. On s'est vu à l'ULB, puis j'ai redit, il faut trouver un chef dans l'affaire, etc. Puis il fallait trouver la ministre. Il fallait lui dire, vous savez, la philo, ça existe. Alors, oh, c'est merveilleux. C'est comme ça qu'on est arrivé à ça. C'est comme ça qu'on est parvenu à sensibiliser à l'impact de la philosophie. Et vous savez quoi ? La philosophie, elle est vraiment adaptée à ça. Parce qu'en fait, la philosophie, elle correspond bien à cette neutralité-là. Elle correspond bien à ça. Elle nous donne les outils pour ça. Que l'on fasse du Wittgenstein ou du Kant ou du que vous passiez du plus catho au plus protestant au plus athée au plus bouddhiste, enfin, elle nous donne des outils pour ça. Et donc c'est merveilleux, presque par définition elle est neutre et elle nous donne cette perspective critique, cette perspective scientifique, elle nous donne cette perspective historique, et puis elle est aussi à philosopher, parce qu'on ne fait pas que de la philosophie, on fait un philosopher et donc on vit en philosophe. Et on a beaucoup de choses à raconter de ce point de vue-là, voyez-vous. Et bien sûr, la philosophie, ben, elle s'occupe aussi de l'expérience religieuse. Elle s'occupe de la religiosité. Elle n'a pas à la dénier. Mais on sort d'une perspective qui est une perspective dogmatique, une perspective convictionnelle et aussi une perspective catéchétique du cours de religion tel qu'on l'avait. Pourquoi ? Ben, parce que tout simplement, on ne va plus parler à partir de la religiosité, comme le fait le cher professeur de religion protestante, qui, pour traiter de la question de l'homosexualité, va parler à partir de, mais on va parler sur la religiosité, et plus à partir de. Et donc, on va changer de paradigme, on va véritablement changer de perspective. Alors, donc, tout ça fait que, je crois que je boucle un peu la boucle, hein, parce qu'il est déjà 9h moins le quart, et je ne veux pas non plus vous fatiguer, puis on va discuter, mais je crois qu'il est donc arrivé quelque chose de très fondamental avec ce cours de philosophie, citoyenneté, avec ce basculement de la mission de l'école, avec cette idée que l'école, c'est un lieu où on apprend à être des citoyens et des citoyennes. Parce que
Ben oui, ça veut dire qu'on peut faire des choses dans le conseil de classe. Ça peut vouloir dire qu'on va apprendre la dimension participative, la dimension représentative. Ça veut pouvoir dire qu'on peut organiser, je sais pas, des formes d'élection à l'école. On sait qu'on est tous en manque de démocratie et que la philosophie, elle va nous donner des outils pour ça, évidemment. Ça veut dire que oui, on va pouvoir parler de la religiosité, mais on va le faire d'abord tous ensemble. On ne va plus le faire les musulmans, les catholiques et les juifs séparés. On va le faire tous ensemble. Et on va le faire avec une base commune, c'est-à-dire celle de notre humanité. Ça sera notre socle commun, notre être citoyen. Et puis, chacun va pouvoir éventuellement parler sa conviction. Et on va voir comment on articule le théologique et le politique. Mais voyez, on va le faire dans un espace où on va s'arranger pour qu'il y ait des opérations de neutralisation, avec des parts d'aseptisation. Et donc, par exemple, quand au tout début de toute cette réforme, quand on avait les réunions, quand on travaillait, quand on réfléchissait beaucoup là-dessus, j'avais beaucoup de gens du monde musulman qui venaient me dire « Ah ben oui, quelle catastrophe, hein, tu n'imagines pas ce que tu fais, hein, la responsabilité est lourde, tu te rends compte. Si nous perdons le cours de religion musulmane, c'est encore le seul outil qu'on a contre la radicalisation. » Alors ça me fâchait beaucoup. Je leur disais, tu te rends compte comment tu es islamophobe? Comment moi, de conviction musulmane, je suis islamophobe? Oui, tu es profondément islamophobe. Parce que tu réduis ta religion au terrorisme. Et tu ne la regardes pas dans l'épaisseur de l'histoire. C'est honteux ce que tu fais là. Ah oui, ben j'ai été faire. Enfin, mais c'est honteux. Oui, on vient aux questions après, Sébastien, je te vois venir, je dis, mais tu peux pas réduire l'islam à ça. Et je dis, par ailleurs, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que la radicalisation et le terrorisme, on n'en parlerait que dans le cours de religion musulmane? Parce que les petits mecs là, du prof de religion protestante, vous croyez pas que ce sont des djihadistes du sexe? Tous les petits blagues qui sont homophobes. Bon, ils manipulent pas des kalachnikovs, mais ils sont honteux. Ben, eux aussi, ils ont besoin d'être secoués. Et donc, je leur disais, non, pas du tout. Mais que du contraire, il faut que, dans ce cours de philosophie et de citoyenneté, on puisse parler de la religiosité, on puisse montrer comment se fonctionne une religion. Mais on doit en parler de façon neutre et de façon critiquée. Et on doit en parler partout. Et on ne doit pas dire que c'est une spécificité du cours de religion musulmane d'être une opération de déradicalisation. C'est déjà suffisamment compliqué comme ça que pour rajouter encore une mission complémentaire à l'école. Donc, dans le référentiel du CPC, même encore maintenant, je plaide évidemment beaucoup, beaucoup pour que on ne sous-estime pas ce que j'ai appelé l'importance de l'enseignement du fait religieux. Et ça, ceux qui ont suivi mes enseignements savent que je suis très attaché à cette notion de fait religieux, c'est-à-dire qu'on va parler avec des outils spécifiques de ce qu'est la religiosité et on va laisser à chacun sa conviction et qui va pouvoir s'exercer dans les lieux qui sont les lieux des communautés croyantes. Voilà. Mais à l'école, dans la cité, ben, nous sommes des citoyens et nous sommes des citoyennes. Donc, j'ai aucune difficulté à ce qu'une conviction me dise « Mais non, moi, c'est une très grande difficulté pour moi. » Par exemple, pour prendre trois cas qui nous interpellent toujours, sur les questions d'avortement, sur les questions d'euthanasie ou sur les questions des orientations sexuelles, non, pour moi, c'est pas évident. Le mariage est hétérosexuel, la vie, je n'en dispose pas, donc je ne suis pas favorable à l'euthanasie, je ne suis pas favorable à l'avortement, je suis prêt à écouter, pour autant qu'il y ait de la réflexion. Je suis vraiment prêt à écouter, je suis vraiment prêt à dialoguer, mais l'individu, l'homme, la femme, doit reconnaître que ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre de sa conviction, mais qu'il vit dans un état, qui est un état démocratique, où il y a une raison démocratique. Et la raison démocratique, elle permet que, effectivement, quelqu'un qui est dans une situation d'une maladie incurable, irrémissible, irréversible, peut demander une euthanasie. Une femme qui est dans les conditions de la loi peut demander un avortement. Et deux garçons, deux filles qui s'aiment, peuvent effectivement demander
avoir la force des liens du mariage civil. Et ça, je veux que ce soit là. Je veux que ce soit la citoyenneté. Que ce soit cet être commun, cette... Encore un peu de patience, mon ami. Je sais, mais on va parler. Mais donc, je veux tout simplement qu'il y ait donc, quelque chose de cet ordre-là. Alors, quelles sont mes espérances? C'est que, d'abord, ça se passe bien. Je ne vous cache pas que, de mon point de vue, je pense qu'une heure de philosophie et de citoyenneté, c'est trop peu. Vivement deux, ça c'est... Voilà. Je plaide pour qu'il y ait deux heures de philosophie et de citoyenneté. Je plaide aussi pour que les cours dits philosophiques deviennent des cours peut-être optionnels. Voilà. On pourrait penser d'autres types de régimes, d'autres façons de faire. Je plaide aussi pour que les communautés croyantes reprennent la main, parce que c'est très facile de dire aux enseignants, ben, occupez-vous de notre éducation religieuse. Je crois que les communautés croyantes doivent reprendre la question de la formation des leurs dans les lieux qui leur revient. C'est ce que donc j'appelle la distinction entre la sécularisation et la laïcisation. Je plaide aussi donc pour un enseignement de fond avec une formation, et ça, c'est vrai. Je crois aussi que après cette période de longue transition, d'adaptation, car il faudra certainement 5 à 10 ans pour que tout ça se mette en place, je plaide pour la création d'un master en philosophie et citoyenneté. Je l'ai souvent dit, un jour, comme ça, j'étais à Bruxelles et j'ai écrit sur une enveloppe. J'aime bien écrire sur les enveloppes, je récupère comme ça. J'ai écrit un programme d'un cours, d'un master en philosophie et citoyenneté, un vrai master, avec de l'histoire, avec du droit, avec des sciences des religions, enfin un vrai truc, vraiment bien, l'économie. Voilà, je l'ai parfois montré à des amis, à l'un ou l'autre, mais je constate que parfois on est mettre du pognon dans d'autres trucs que pour des choses fondamentales. Mais si nous n'avons pas pris la mesure de l'urgence d'avoir un cours où les enfants sont ensemble, sont plus discriminés, ségrégés, séparés, répartis, si nous n'avons pas pris la mesure que l'école doit prendre ses responsabilités en matière de formation citoyenne, qu'elle doit bien penser, vivre la séparation du théologique et du politique, et que donc on doit construire un enfant qui soit responsable de ses droits et de ses devoirs, et qu'à cet égard-là, l'école a un rôle fondamental, et que la philosophie peut beaucoup aider comme perspective neutre, comme perspective critique, alors à mon avis, on est en danger. Mais je crois que les choses vont peu à peu évoluer. Finalement, depuis 2012, ça fait à peine 6 ans, ben regardez où on en est. Donc je dis donc qu'on a progressé, on a avancé, il faut aller de l'avant. Je dis aussi souvent à mes amis du monde catholique qu'ils devraient faire preuve d'initiative, qu'ils devraient proposer des choses. On ne peut pas non plus tout le temps rester sur l'idée d'un cours de religion qu'il faudrait défendre. Après tout, qu'est-ce que ça veut dire? Mais que donc il faudrait pouvoir... inventer quelque chose pour avoir la société la plus belle où après tout nos enfants seront évidemment heureux à l'école et auront une école où il y aura véritablement une éducation, c'est-à-dire il y aura une sortie de soi pour être une femme, un homme, un citoyen, une citoyenne dans la cité, et une cité qui évidemment serait une cité ouverte, qui sera respectueuse de nos libertés de croire ou de ne pas croire, d'avoir une religion ou de ne pas en avoir, qui fera que l'enseignement sera un lieu critique, un lieu spéculatif, un lieu réflexif, un lieu où on va apprendre des choses, où on va se découvrir des méthodes de travail, des épistémologies, etc. Alors ça, l'école aura vraiment rempli son rôle, et elle sera l'école que moi j'appelle de mes voeux, qui sera
non pas tellement une école du pacte de l'excellence, mais une école du pacte de la solidarité citoyenne. Voilà. Et donc, en ce sens-là, l'école, ce sera le lieu de l'émancipation, ce sera le lieu de l'élévation. Élève, ça voudra vraiment dire quelque chose. On sera élevé, on sera éduqué. Et selon quoi ? Ben, ici, bon, beaucoup étudient la philo, mais on sera éduqué selon les principes de la raison. Et la raison, c'est ce que nous avons, en fait, je crois, de plus partageable, même si nous connaissons les crises de l'universalisme. Nous les avons vécues, nous les vivons et nous allons encore certainement les vivre, mais la raison comme principe unifiant de la tension permettra de faire du commun. Donc, de faire de la citoyenneté dans une perspective de sagesse de l'amitié et d'amitié de la sagesse. Voilà. J'espère ne pas avoir été trop long. Et... Bien, merci pour cette belle présentation. Je vais inviter la personne qui aura des questions ou des questions à les présenter. Je suppose que c'est pas ça, c'est la chose dont on pense. Sébastien, va bien sûr. Il y avait d'abord sur votre collègue Dupont, si c'est votre collègue, le monsieur qui disait qu'il n'avait pas que son, et ses enfants se radicalisent. Ah oui. Ils n'avaient pas. Oui. En fait, je pense qu'il faisait allusion surtout à l'impact d'Internet en fait, sur les jeunes. Peut-être. Je pense que c'est un. Enfin, ça, il y a beaucoup de réflexions à faire sur le fait que maintenant, beaucoup de jeunes, dont je fais partie. Moi aussi. Ouais, oui, même les moins jeunes. Je comprends de l'éducation, enfin, de l'école, etc. En fait, on se cultive, et tout ça, mais vraiment. En dehors de l'école, quoi, sur Internet, sur YouTube, et tout ça. Bien sûr. Et donc, je pense qu'il faut vraiment réfléchir le rapport de l'école oui. à Internet, tout ça. Et quand on parle de religion, en fait, il y a beaucoup de. Enfin, il me semble qu'il y a beaucoup de. Justement, de islamistes radicalisés. Mais en fait, ils sont radicalisés sur Internet. Parce qu'il y a un certain rejet de la modernité, tout ça. Et aussi, il y a une faible prise en main par l'école, justement. Et donc, les jeunes, surtout les jeunes de cité, ou quoi, ne voient rien de bon à l'école, si on veut, rejettent ce qu'on leur enseigne à l'école, et donc ils se réfugient sur Internet. Et donc quand on est jeune, en plus, on cherche un peu des trucs un peu forts et tout ça. Du coup, ils tombent sur des vidéos d'islamistes radicaux qui leur disent « Oui, le monde moderne, c'est très mauvais, tout ça. » Et donc c'est pour ça qu'ils se radicalisent. Et donc, donc dans ce sens-là, moi je serais pour... Même si en soi, je suis pas forcément pour favoriser l'islam dans nos pays européens, mais je suis pour qu'il y ait des cours de religion musulmane qui soient une présentation correcte de la religion musulmane, oui. La religion choisie. Voilà, oui. Et donc, on dit bien d'un point de vue historique, parce que c'est pour ça qu'il y a vraiment une... En fait, il y a un distinguo qui est un peu subtil, qui est le distinguo en ce qu'on va appeler le discours théologique, le discours convictionnel, le discours de l'âme. Le discours de la spiritualité, comme parlait la deuxième témoin, voilà, qui est un discours intérieur, un discours intime. Et puis un discours qui est un discours qu'on va appeler le discours des sciences des religions. Mais les sciences des religions, d'abord, il y a une distance. On dit qu'il y a un objet, puis de cet objet, on prend une distance, et on a donc une perspective qui est une perspective critique, une perspective scientifique, voilà, on a une distance. Mais on n'est pas dans l'ordre du croire.
On est vraiment dans l'ordre de la réflexivité. Et donc, en ce sens-là, parler de la religion ou des religions à l'école est évidemment très important, mais pas, tu vois, d'un point de vue convictionnel. Bon, le fait, si vous voulez, que j'ai que j'avais pris cette position, enfin, il y a longtemps déjà, mais donc c'est un peu paradoxal, mais je fais la formation à la neutralité, mais à l'ULB. Bon, voilà. Et à la dernière formation à la neutralité, donc ils sont très très nombreux. Et ça, c'est bien fait, parce qu'on dialogue à plusieurs, voilà. Et alors, il y a un étudiant qui dit, oui, mais enfin, il faudrait vraiment qu'on ait un discours plus rigoureux sur les religions, etc. Il faudrait qu'on puisse montrer ceci sur le plan de l'histoire de l'Égypte. Mais oui, il avait évidemment entièrement raison. Et en disant, moi, quand je le fais dans mes cours, je constate que les élèves sont troublés, que ça déstabilise. Ben oui, oui, ça c'est inévitable. Mais c'est un des rôles de l'école. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a tous vécu dans le cours, quel que soit le cours, que ce soit un cours de droit, un cours de géographie, un cours d'histoire. On vient avec nos préjugés, et le rôle de l'éducation, c'est de nous faire sortir de nous-mêmes, c'est de nous élever, c'est de nous émanciper, c'est de nous grandir. Et donc, en ce sens-là, c'est le rôle de l'école. Attention, hein, tout en étant respectueux des convictions et des croyances, parce que bon, le décret de neutralité, si vous l'avez lu, est extrêmement bien fait, dit quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire qu'on ne peut pas blesser un étudiant sur le plan de sa croyance. On ne peut pas. Il y a un devoir de respect, un devoir de neutralité, et ça, c'est évidemment extrêmement important. Mais je crois qu'il y a deux socles différents, Sébastien. Parce que le socle de la religiosité, ce n'est pas le socle de la citoyenneté. Ce n'est pas à l'expert de Rousseau que tu es, que je dois expliquer ça, évidemment. Mais je suis totalement d'accord. Il y a vraiment ces deux choses très, très, très différentes. Et je crois que les institutions du croire doivent se ressaisir de ces modalités-là, et que dans l'enseignement, on doit se saisir de ce socle de la raison, des savoirs, voilà, et donc avoir une perspective qui soit différente. Et alors, je crois que la perspective citoyenne, c'est une perspective plus inclusive. Pour moi, je fais vraiment partie de ceux qui pensent que la religiosité, elle provoque du « eux » et du « nous ». Voilà. Et que même quand elle veut inclure, paradoxalement, elle exclut. Alors, on dit souvent, oui, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, si je l'ai pris avec moi, je vais vous lire. Je crois que je l'ai pris. Je crois que je l'ai pris avec moi. C'était un entretien. Je crois que je l'ai ici. C'est assez intéressant, c'est peut-être que je ne vais pas le retrouver tout de suite. Ah oui, voilà, je l'ai. C'est une interview qu'a donnée tout récemment l'archevêque catholique de Malines-Bruxelles, donc le nouveau cardinal de Kaiser. Donc il a donné un grand entretien au journal Le Soir, et le journaliste lui dit, quel message lanceriez-vous aux chrétiens de Belgique? Et répond ceci, de se focaliser sur le dialogue avec le reste de la société, et que celui-ci soit positif. Alors, écoutez bien, c'est là où il faudrait vraiment quelqu'un qui fasse un peu de logique. On va lui envoyer Peter Verdé et Alexandre Leroy. Il faut sortir de la dialectique du « eux » face au « nous ». La modernité ne réglera pas tout, mais son don le plus précieux de nous permettre de vivre libre en démocratie. Oui, mais comment est-ce qu'on peut dire qu'il faut sortir du « eux » et du « nous » quand on dit « qu'est-ce que vous donnez comme message aux chrétiens ?» Vous vous focalisez sur les dialogues avec le reste de la société. C'est-à-dire que vous n'en êtes pas. Vous comprenez? Et donc, c'est pour ça que je dis que la religiosité, elle fabrique
du « e » et du « nous ». Et que donc, que quand elle inclut, elle exclut. Si ce soir nous fondons une religion, hein, et que Tristan est notre grand prêtre. Comment ? Ça coûtera pour bien notre âge, je pense. Oui. Mais que, et que, mais donc, et qu'on fonde notre religion, ben, nous allons nous inclure dans, mais nous allons exclure tous ceux qui ne vont pas nous rejoindre. Vous voyez ? Donc, ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour la participation, qu'est-ce qu'on va faire pour l'inclusion. Vous voyez ? Oui. Juste rebondir sur ce que vous avez dit maintenant, puis parler de. Quand vous avez parlé de démocratie. Oui. Juste bien. Mais en fait, je pense que les chrétiens, ça, c'est peut-être eux qui se sentent isolés, entre guillemets, et attaqués d'une certaine manière. Ben, je veux dire, la séparation entre eux et nous, c'est pas forcément de leur fait. Même si il y a une part de responsabilité, hein, mais, je veux dire, je prends un simple exemple, quand on regarde tous les films d'Hollywood et tout ça, à chaque fois on caricature l'église, machin, tout ça, et donc il y a toute une... on vit dans une culture où celui qui a des convictions chrétiennes, mais même à l'école, hein, oui, bien sûr. Quand un professeur... n'est pas chrétien ou quoi, il va diffuser dans son enseignement, il va se moquer de la religion chrétienne, des trucs comme ça. Et tout ça, ça peut gêner les chrétiens et ils se sentent exclus de fait. Quoi. Bien sûr, oui. C'est pour ça qu'il y a une exigence dans la neutralité. Ouais, c'est ça. Il faut qu'elle soit parfaite. Il faut qu'elle soit effective. Mmh. C'est un travail constant et voilà, on n'a pas le droit d'atteindre à la dimension d'une conviction intérieure. Ceci étant, on peut la critiquer. Parce qu'on a une liberté d'expression, on a une liberté de pensée, donc on peut la critiquer. On peut, par exemple, dire en public qu'on pense que, je ne sais pas, que le dogme de la Trinité, ou que l'Immaculée Conception, ou la création du Coran, ou l'idée que Jésus ne serait jamais ressuscité. On peut très bien dire que c'est... Mais justement, pour... Que c'est un non-sens. Ouais. C'est une absurdité, etc. Mais ah oui. N'en meurt pas moins que... Mais et on peut dire l'inverse aussi, bien sûr, oui. C'est pour revenir sur ce que vous disiez quand vous parliez de démocratie. J'ai l'impression que c'est peut-être pas le cas, mais que vous mettiez par exemple l'euthanasie, l'avortement et le mariage homosexuel, vous faisiez comme s'ils étaient compris dans le concept même de démocratie. Donc celui qui pense que nous vivons en démocratie, on doit accepter l'euthanasie, l'avortement. Non, parce que la France est une démocratie. Sur la question, moi j'ai un peu regardé ce qui se passe sur le comité de bioéthique, enfin sur c'est les états généraux de la bioéthique, c'est ça, mais c'est assez terrible. Non, ce que je veux dire par là, c'est que le fonctionnement de la raison démocratique, c'est une raison qui est procédurale. C'est une raison qui est argumentative. Elle fait du pour, elle fait du contre. Elle crée des lois, elle les déconstruit aussi parfois. Donc on est dans une logique vraiment procédurale, argumentative. Tandis que le dogmatisme d'une foi ou d'une croyance ne fonctionne pas comme ça. Voilà, il est rivé à des archétypes qui sont la constitution du dogme, et il faut avoir une compréhension intelligente de ce que veut dire le mot dogme. Après tout, cette forme de rationalité de la croyance, la dogmatique. Mais c'est quand même un régime très très particulier, qui n'est pas non plus de l'ordre de la raison. C'est pour ça que je crois qu'il ne faut pas non plus avoir... Enfin, tous ceux qui font de la théologie ne devraient pas avoir peur d'intégrer les paroles de Paul de Tarse qui dit que croire est une folie. Il y a une dimension folie dans une croyance. Voilà, oui, mais il le dit et voilà. Mais donc je veux dire par là que c'est une raison argumentative, et que donc quand on dit raison argumentative, c'est qu'on passe aussi par les institutions de la raison argumentative, de la raison plurielle, et que donc en ce sens là
quand on a intégré, parce que ça c'est le progrès de l'histoire, la séparation du théologique et du politique, hein, je prends souvent aussi cet exemple-là dans les discussions, je l'ai même souvent dit en cours aussi, ben, quand au moment des débats sur l'avortement, le catholique André Léonard, donc mon professeur de lycéen, de métaphysique, de beaucoup d'autres choses que j'aimais beaucoup, mais quand il dit qu'un parlement n'a pas une autorité ni métaphysique ni biologique sur la sexualité, ça, c'est, on ne peut pas entendre ça en régime de séparation du théologique et du politique. Il n'y a pas une loi, non, c'est le travail de la démocratie, c'est exactement comme maintenant la question de sortir l'avortement du droit pénal. Je suis un chaud partisan de cette hypothèse-là. Ben oui, ça c'est le travail de la raison, c'est le travail de la démocratie, c'est-à-dire que la démocratie, elle s'adapte aussi à ceux qui vivent, elle progresse, elle invente, elle crée, mais dans un ordre qui n'est pas l'ordre de la religiosité. Il n'y a pas de transcendantal. Je veux dire, quand la démocratie invente la question du mariage pour les personnes du même sexe, c'est parce qu'elle est confrontée à des problèmes qui sont extrêmement pragmatiques. C'est pas du tout un coup d'un soi-disant dogmatisme progressiste. Non, tout simplement, c'est parce que je l'ai souvent expliqué aussi, quand le législateur a été confronté à la situation de fait, de vivant, où il y avait papa et maman divorcés. Il y avait les gosses, et puis il se fait que papa est tombé amoureux d'un mec et que maman tombait amoureux d'une un mec, je parle comme monsieur Feltz, papa tombe amoureux d'un homme et que maman tombe amoureux d'une femme. Bon, c'est la vie, bon. Qu'est-ce qu'on faisait des enfants quand le papa biologique était aux États-Unis, faisait une conférence dans une université prestigieuse, et que l'amour de sa vie, l'homme de sa vie, gardait le fils, et que le gamin tombait gravement malade, qu'il fallait l'hospitaliser en disant oh non, monsieur, on ne peut rien faire, les parents ne sont pas là. Il ne faut pas penser que le mariage homosexuel en Belgique, ça a été une volonté d'aller contre. Pas du tout. Il s'agissait de réguler le problème des enfants. C'était le problème. Donc le législateur s'occupait des enfants. Donc il a voulu protéger les enfants. Il a voulu leur donner des droits. Et maintenant, dans les questions bioéthiques, etc. Et, tu vois. Donc je veux dire, c'est un peu l'ordre de... Bonne soirée, cher monsieur. Et donc c'est un peu l'ordre de... Voilà, de la créativité, de la démocratie telle qu'elle va, nos vies. Oui, d'accord, mais vous devez... Ce que je veux dire, c'est qu'on peut très bien être contre l'avortement, contre le mariage homosexuel, tout en n'étant pas du tout religieux. Exact, absolument. Et j'en connais, je dis ça. Dans ce cas-là, oui. En démocratie, il faut l'accepter. Mais bien sûr. Et moi, ce que je remarque, c'est que souvent dans les médias, tous ceux qui ne sont pas pour l'avortement, des choses comme ça, sont qualifiés d'extrême droite, tout ça, ils sont mis au pilori. Oui, ça c'est. Et donc il y a une espèce de nouveau dogmatisme, oui. Qui est tout aussi religieux que ceux qui critiquent. Exact. Ça, je peux vraiment comprendre. Moi, je défends une pure... Mais, comme je dis toujours, Sébastien, ce sont des droits. C'est-à-dire que qu'il y a un droit à l'euthanasie, qu'il y a un droit à l'avortement, ou qu'il y ait un droit pour le mariage de personnes du même sexe, qu'il y ait un droit, comme je l'espère, un jour, il y aura une gestation pour autrui. Mais c'est un droit, c'est un devoir. C'est-à-dire que voilà, mais simplement, dans un état de droit, il faut s'assurer que ceci pourra se vivre. Voilà, et que donc, c'est-à-dire que dans une commune, on ne va pas tomber sur un bourgmestre qui va faire tout en sorte pour que, je ne sais pas, au guichet communal, il y ait des difficultés pour aller remplir sa déclaration pour l'euthanasie, ou que pour il y aura un échevin de l'état civil qui va pendre la gueule quand ce sera deux femmes qui vont arriver. Non, il ne faut pas qu'il y ait ça. C'est, voilà, parce que c'est l'ordre de la démocratie et je pense aussi du progrès de la raison. Oui, je suis parfaitement d'accord. Pour moi, il y a une dérive dans la mesure où le débat n'existe même pas. J'avais travaillé justement en philo sur les clés de l'homme enceinte. Ah oui. Et bon, il faudrait que je révise tout le travail que j'ai fait.
Mais en fait, ce cas-là n'avait pas du tout été soumis au peuple. Non. Le peuple n'avait pas du tout eu voté quoi que ce soit pour. Enfin. Et c'est passé comme ça, par un pur. Ben donc, moi je me dis. Je suis totalement d'accord avec vous, vu que en tant que Rousseauiste, je suis pour une bonne séparation. Ben oui. Voilà. Ben oui. Mais il ne faudrait pas qu'on tombe. Il ne faut pas inventer un nouveau dogmatisme. Ouais, voilà. Oui, c'est ça. C'est ce que. C'est une des critiques d'ailleurs qui a été dite hein, au cours de philosophie sur l'été. Les gens disent oh oui, on voit là le nouveau catéchisme civique. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Simplement, c'est un changement de paradigme. C'est une autre instauration. Mais vous n'êtes pas dans ce. Non. Il y en a plein qui. Oui. C'est pour ça qu'à mon avis. Non, moi j'étais toujours un homme d'équilibre, hein, vous savez. Pour moi, c'est un idéal, mais très dur à atteindre. Bien sûr, oui, tout à fait. C'est pour ça que je dis aussi très souvent que la citoyenneté, c'est un concept. C'est très abstrait. Ça n'existe pas en tant que tel. C'est quelque chose que l'on devient. On apprend à être citoyen. C'est pour ça que l'école a un rôle très fondamental à jouer. La citoyenneté est une chose avec laquelle on n'en aura jamais fini. C'est pas un truc une fois pour toutes. C'est pour ça qu'un cours de philo-citoyenneté, c'est compliqué, c'est beaucoup plus compliqué que des matières, voilà. Et donc, moi, je n'arrête pas, tous les jours, j'apprends à être citoyen, tu vois. Donc, c'est un concept progressif. Il y a une incoativité, quoi. Il y a du processus. Oui, cher ami. Je voulais vous demander, j'ai beaucoup de questions, mais on est en terme, et je voulais parler de la. Tu as dit une chose, il a dit les personnes qui sont contre l'avortement, contre l'euthanasie, viennent considérer l'extrême droite. Et moi, je pense en fait que c'est pas qu'elles viennent considérer l'extrême droite, dans le sens que, c'est par exemple, moi, je parle. Que la religion, comme dit Marx, c'est le fruit d'une société malade. Je peux dire que je ne suis pas marxiste, mais mes idées, en fait, reflètent une mentalité marxiste. Donc, je pense que dire qu'elle vient considérer, je pense qu'on ne peut pas dire que ce n'est pas juste de dire ça. Mais je pense que c'est. Bon, on peut dire que c'est des idées de sa droite, mais le problème, c'est que bien souvent, on utilise ce prétexte-là pour interdire aux gens. Liberté d'expression, pour interdire le dialogue. En France, avec le Front National et tout ça, ils appellent ça un cordon sanitaire. Cordon sanitaire. Donc en gros, ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, c'est des malfrances, mais tout ça, c'est pas démocratique du tout. Non, pas du tout. Donc, c'est plus ça que je dis. Effectivement, oui, on peut dire, effectivement, c'est des idées d'extrême droite, c'est des idées défendues par les catholiques, c'est. Mais ça ne doit pas être. C'est ce qu'on appelle la réduction ad hitlero. Ça veut dire quelqu'un a dit quelque chose qui est tendance extrême droite, hein, du coup on peut plus parler avec lui, interdiction de dialoguer. Et donc, tu avais une question aussi? Ah oui, j'avais une question. C'est un peu pour réunir un peu tous les thèmes. Je pense que quand on parle de citoyenneté et de religion, on est en train de parler avec une histoire. Au sens qu'on était, nous, on est le fruit de l'histoire de milliers d'années. Et je pense que quand on parle de citoyenneté, en fait, c'est. On parle de la, entre guillemets, de la religion d'une époque. Du sens que si on pense par exemple à l'état de Grèce et des Grecs et tout, leur citoyenneté, c'était croire par exemple dans les dieux, aller au temple et je ne sais pas, donner des choses aux dieux pour comme ça le grain était plus fort. Et puis il y avait les scientifiques que aussi eux, quand même, dans leur croyance, ils avaient quand même une religion après laquelle courir. Et je pense que quand on parle de cette réalité, en réalité, on est en train de parler de méta-religion.
que vous avez. Ah oui, tu dis ça, oui. Les choses me parlent. Et je pense que, en fait, le terme neutralité, c'est un peu exotérique comme terme, au sens que c'est un terme qu'on peut se le permettre. Au sens que si, par exemple, moi j'étais né dans les Philippines, où il y a un tsunami chaque deux années, comme ça, la seule chose, pas la seule chose, mais la chose que 85-90% des personnes font, c'est s'attacher à des religions. Donc là, c'est une exigence, c'est pas un choix. En fait, je pense que quand on parle de choix, c'est parce qu'on est dans une situation où on peut choisir. Et donc, je pense que si une personne, par exemple, qui vient des Philippines, vient ici pour étudier, je pense que c'est un droit, voilà, avoir un cours optionnel, oui, optionnel, mais quand même un cours de religion catholique ou même d'approfondissement de ces thèmes qui les a aidés dans comme Fidjian. Ouais. Bon, j'espère qu'il n'y a pas de Philippins dans la salle. D'abord, tu n'es pas Philippin. Je vois bien ce que tu veux dire, mais je crois qu'il faut quand même être très prudent quand on avance ce genre de posture, parce que il y a à la fois quelque chose de très très perturbant en ce sens où il pourrait y avoir une forme de stéréotype dans la façon dont tu présentes la situation de X, que ce soit les Philippines ou autre chose, et la situation et la façon dont tu présentes ce qu'on va appeler l'Europe, en tout cas ici, tu vois. Ça pourrait être aussi peut-être l'inverse, parce qu'on n'est jamais assuré de ça. Pourquoi je pense que, même si je suis bien conscient des défaillances de l'universalisme, il n'en meurt pas moins que la rationalité est quand même quelque chose de partageable. Et qu'on peut quand même faire l'hypothèse que, en tout individu, quel qu'il soit, il y a donc une part de rationalité. Et que précisément, ce travail-là, c'est-à-dire le travail de l'élévation, le travail de l'accès à la raison, qui est à mon avis le travail de la philosophie, je crois que c'est ça, la philosophie, elle travaille vraiment en ce sens-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour accéder à la mesure, à la ratio, que ce soit qu'on appelle ça philosophie, concept, mais c'est un travail. Et donc, en ce sens-là, je crois que la religiosité, on va appeler ça la religiosité, n'est pas construite sur la même superstructure ou la même infrastructure que l'ordre de la raison. La religiosité, elle a les catégories qui sont les siennes et elle fonctionne avec les catégories qui sont les siennes. Et de fait, c'est le cas que tu mentionnes, oui, dans la religiosité, il peut y avoir une part d'aliénation, de superstition, ce sont les cas que tu mentionnes, et que donc, en ce sens-là, l'antidote dont toute femme et tout homme a besoin, c'est précisément ce travail de la rationalité qui est en lui, c'est-à-dire le travail de la crisis, le travail de l'herméneutique, enfin. Et donc, je n'attacherai pas ça à des... Je ne ferai pas une géographie, si tu veux, de la superstition, de la religion, ou de la raison. Je serai très attentif à ça. J'essaierai plutôt de faire quelque chose de neutre sur le plan géopolitique, et j'essaierai alors de montrer qu'en définitive, ce qu'il faut, c'est de donner à tout individu les outils de sa raison propre. Ce qui évidemment ne va pas faire qu'on va supprimer les raisons particulières, les raisons singulières, les différents régimes de la rationalité, voire de la vérité. Mais je serai vraiment attentif à cette posture-là, et par ailleurs, je dis que la religiosité, c'est un discours qui a une structure qui lui est propre, et c'est pas une structure rationnelle, au sens vraiment de la raison des Grecs. Pourquoi ? Parce que la raison chez les Grecs, ça je crois qu'on l'a tous appris dans les travaux qu'on a fait en philo ou dans ce qu'on a lu, la raison chez les Grecs, c'est quand même le passage de la doxa au logos. On quitte un régime d'opinion, on quitte le régime de la rumeur, on quitte le régime des savoirs faciles, évidents. On cherche le complexe, non ? Vous ne diriez pas ça ? Je crois que donc, et ça c'est le trajet de
de la raison. Et on le fait. Voilà. Voilà. C'est ce que je dirais pour répondre à ta question. Mais attends, parce qu'il y a l'année, comme ça on passe à toi. Et... dites, les trains pour Bruxelles, c'est quelle heure en fait? J'allais justement me demander si vous savez à quelle heure le train pour pas louper. Ouais. 22h32. C'est pas, je vais regarder pendant que tu parles. Vas-y. Mais du coup, ce que je me demandais, c'est que malgré tout, dans ces cours, c'est totalement un autre aspect, mais oui. À partir du moment où on demande une certaine élévation à des élèves, tous ne sont pas prêts à donner l'investissement pour, dans le sens où, comme certains préfèrent les maths, d'autres préfèrent le français, d'autres, je sais pas, la géographie, la religion, qu'importe, ça demandera un investissement qui est assez gros de l'élève. Et ça, je me demande déjà comment on peut en juger, en fait. Par certains moments, quand on ne sait pas de la restitution de matière, par exemple, c'est vraiment quelque chose qui est difficile de juger, c'est d'un point de vue pratique. Et en plus, à partir de quel moment est-ce qu'on n'aurait pas peur de tomber, dans une argumentation presque scolastique où on demande à des élèves d'avoir des explications avec eux, on tente juste l'argumentaire et qu'au final, ce ne serait pas vraiment éclairant sur la citoyenneté, à proprement parler, le devoir que ça comporte. Parce qu'on essaierait de leur apprendre des arguments qui sont réellement des arguments qui servent dans la vie de tous les jours pour la maîtrise de la vie et de la citoyenneté. Du coup, à partir de quel moment, du coup, pour résumer, est-ce qu'on parvient à donner cours là-dessus et à questionner là-dessus, enfin à demander. Oui. Mais tu vois, Benjamin, c'est tout le jeu qui s'est fait dans le décret sur philosopher et philosophie, sur théorie et pratique, pour ne pas tomber dans des catéchismes, dans des dogmatismes de la citoyenneté ou l'éducation civique, parce qu'au début, un peu dans le chaos, ça existe encore maintenant, mais il y avait des profs qui apprenaient à chanter de la Brabançonne. Et alors moi j'ai un ami qui me dit, mais... ma fille, elle est rentrée, elle a dit « Oh, papa, on a fait au cours de philo-citoyenneté, on a appris les paroles de la Brabançonne. » Enfin, tu te dis « Ma belle Eugène, ma mère patrie, d'ailleurs ma mère patrie. Enfin, » et je crois que tout est là. C'est-à-dire cette idée qu'il y a un ordre théorique et puis un ordre pratique. Et que donc, il y a l'interaction entre ces deux choses. Et que la théorie va nourrir la pratique et vice-versa. Et que donc, tout l'enjeu va être de voir comment mobiliser ce cours de philosophie et de citoyenneté dans l'école. Bon, je disais tout à l'heure, on a vraiment déjà des cas, il y a des belles choses qui se font chez certains profs, etc. Comment puis-je rendre mon école plus citoyenne? Comment puis-je la rendre plus démocratique? Comment puis-je la rendre plus représentative? Qu'est-ce que je peux faire pour être un citoyen dans mon école? Qu'est-ce que je peux faire pour mon école est une économie durable? Enfin, des choses comme ça. Mais c'est évidemment là tout l'enjeu. Alors, on voit bien que derrière ça, il y a une grande question du modèle pédagogique qu'on va promouvoir. Si on veut promouvoir un modèle où on est encore dans un ordre de transmission, on a une pédagogie ou une didactique qui sont vraiment dans l'ordre de la supériorité par le savoir, la domination par le savoir. Ce cours de CPC de facto voué à l'échec, mais si par le travail du référentiel et par tout ce que... Parce qu'on aurait pu faire aussi une conférence sur le référentiel pour montrer toutes ces opportunités, toutes ces potentialités, tout ce qu'on peut faire avec ce référentiel. Mais je crois que l'école a des outils mais formidables. Et que donc, il n'y a aucune difficulté à faire ce que rêvaient en 2012 certains idéalistes. Il n'y a aucune difficulté dans un cours de philosophie et de citoyenneté d'aller visiter une église, un temple, une mosquée... que sais-je encore? Pourquoi? Mais parce que tout simplement, ça fait partie de notre patrimoine culturel. Et vous savez que dans la notion même de fait religieux, telle qu'elle a été développée, cette connaissance du patrimoine culturel est une connaissance fondamentale, tout simplement pour y sensibiliser, parce que ce sont aussi des langages de notre culture. Voilà. Même ici, regardez dans cette architecture, il n'y a rien à faire, ce pilier central avec cet arbre. Il faut avoir une
forme d'interprétation religieuse. Hein. On peut y voir certaines choses, on peut y voir d'autres choses, mais on sait que voilà, nos perceptions sont multiples. Mais justement, il faut que l'enfant soit nourri dans ce genre de choses. Et alors, je reviens aussi sur cette idée, c'est 22h30 le train. Et donc, je reviens aussi, mais je ne veux pas non plus vous fatiguer, peut-être que vous devez partir, mais vous me dites, il faut me couper quand il faut me couper. Mais ce que je crois aussi de très important dans tout ça, c'est que, il y a une chose qui me frappe beaucoup dans l'évolution sociétale actuelle. Bon, moi j'ai encore connu cet état de société où on était très vite mis dans des cases. Maintenant, je constate que mes amis qui ont des enfants, en général, il n'y a pas d'acte religieux sur l'enfant comme c'était le cas avant. C'est-à-dire, il n'y a pas de baptême immédiat, il n'y a pas d'acte qui identifie l'enfant religieusement. Ça me semble bien. On sait par exemple qu'en catholicisme, ce qu'on appelle le pédobaptisme, donc le baptême des enfants, est en net recul. Mais on voit que le baptême des adultes est en progression. Ça, c'est bien. C'est bien. C'est vraiment bien. C'est des gens, on les voit à la TV, hein, chaque année à Pâques, c'est marronnier, des journaux, il n'y a rien, il se passe rien. Alors on fait toujours le truc dans une église. Et c'est bien. Pourquoi ? Parce qu'ils choisissent en connaissance de cause. Voilà. Alors ils décident. Mais c'est pour ça que je dis que... Vous savez, c'est pour ça aussi que dans toutes les positions que j'ai prises sur ces questions-là, et ça, il m'a fallu beaucoup de courage quand j'ai écrit ce texte sur la circoncision. C'est pour ça aussi que j'ai tenu que on ne pouvait pas... Enfin, que la religiosité ne pouvait pas dispenser du corps de l'enfant de cette façon-là. C'était très dur pour moi d'écrire ça, parce que je peux comprendre ce qu'ils veulent. Ils, rarement elles. Mais d'un autre côté, comment est-ce qu'on peut prédéterminer une identité au nom de la religiosité ? Il n'y a rien de plus beau dans notre existence que ce qui est choisi. Ce qui est librement choisi, ce qui est librement ratifié. Et là, nous étions dans des schématismes sociologiques qui voulaient nous pré-identifier. Mais il y a combien de gens qui sont mal à l'aise dans leur identité religieuse ? Et d'ailleurs, tu sais, je le dis toujours au cours, et ailleurs, les sociologues nous ont bien montré que les identités sont multiples. Multiples. Et donc, voilà, je me dis qu'il faut ça. Et que l'être citoyen, c'est une bonne base, c'est un bon socle commun. Et puis alors après, chacun se prédétermine et fait ses choix. Mais ce que je crois aussi très important à bien dire, c'est que quand on dit citoyenneté, et quand on a donc cette vision avec cette forme d'universalisme, ça veut dire que dans la notion de citoyenneté, il y a des choses qu'on va mettre de côté, il y a des particularismes qu'on va mettre de côté. On va les abstraire. Et parmi ces particularismes, je crois que la religiosité en est un. Si chacun, ce soir, on commençait à débattre de nos identités convictionnelles ou de nos engagements philosophiques personnels, c'est pas sûr que ça se passerait bien. Mais par contre, dans notre être citoyen, on va chercher à co-construire quelque chose ensemble, et dans cette approche, dans ce télos de l'universalité, nous allons mettre des choses de côté, voyez, et on va trouver quelque chose de commun. C'est pour ça que j'aime pas quand on confond le culturel et le religieux. J'aime pas ça. On peut pas confondre les deux choses. Vu l'heure, oui. Peut-être une dernière question, Tristan. Et après on vous invitera à poser directement la question à Jean-Luc Leclerc, parce qu'on va ouvrir la soirée après. C'est quoi la soirée ? Il paraît qu'il y a un repas après.
Pardon. Il paraît qu'il y a un repas après. Non, non, je pense pas. Oui, parce que le doyen m'a dit, le professeur Ellickson m'a dit, je vais passer, il y a un repas après, mais il n'y a pas de repas, je crois. Quelqu'un qui comprend avec la Bruxelles. On fait simplement soirée. Très bien. Vous avez d'autres questions ? Oui, c'est ravi. Vous parliez dans votre conférence, qui est centrale, c'était la question de la neutralité. Oui. Et j'aimerais bien revenir dessus, parce que je pense que il y a un problème à réduire la question, enfin, le terme neutralité, dans le fait, par son étymologie, que ce serait ni l'un ni l'autre. Oui. Parce que finalement, c'est pas rien du tout. Oui. Et quand on parle de neutralité dans le cadre de ces cours dits philosophiques, de quelle neutralité parle-t-on ? Parle-t-on d'une neutralité qu'un professeur va se donner en l'interprétant lui-même sa façon de donner cours ? Va-t-il choisir d'aller faire visiter une mosquée ou une synagogue parce qu'il ne pourra pas faire tous les lieux de culte, c'est matériellement, enfin, c'est pratiquement impossible de les faire toutes. Ou alors parle-t-on d'une neutralité qui serait entre guillemets instituée, décrétée dans un programme de cours et qui serait du coup presque, je dirais, impersonnelle dans une manière d'enseignement. Du coup ma question est la suivante, quelle neutralité proposer dans ce genre de cours-là ? Comment est-ce qu'on devrait la définir et ouais, je pense que ça me paraît assez problématique, justement. Et... Oui, oui, c'est un concept très compliqué, je te l'accorde. Et bon, il y a une littérature considérable là-dessus, la neutralité axiologique. Certains disent tout le temps, oui, la neutralité, tu sais bien, ça n'existe pas. Oui, mais enfin, si, d'un autre côté, c'est un effort que l'on fait sur soi-même. Comme on est en fin de soirée, je vais prendre quand même, si tu veux bien, deux cas concrets. Au tout début, quand je faisais, ça fait longtemps que je fais la formation à la neutralité à l'ULB, donc. Et donc, il y avait, donc ça se fait souvent de débats, soirées, débats. Et au début, donc, j'ai eu plusieurs débats avec quelqu'un que vous n'avez pas. Sans doute pas connu, mais qui était, c'était un avocat, un juriste, qui était le président du Centre d'Action Laïque. Il est mort, malheureusement, dans sa salle de bain. Oui, c'était terrible. Monsieur Grollet. Grollet. C'était très, très... Voilà. Et alors, Philippe, qui s'est toujours dans les débats, et on avait vraiment appris à se connaître, Philippe disait toujours dans ses débats, il y a deux choses sur lesquelles le professeur ne peut pas transiger, son orientation politique et son orientation sexuelle. J'étais en profond désaccord avec ça. Parce qu'il y a une neutralité effective. Il y a une neutralité, il y a une garde du professeur. Mais attention, la neutralité, elle a des lieux. Hein. Donc c'est comme la question des signes convictionnels dans la société. Hein. Moi, je suis un chaud partisan de la neutralité des agents de l'État. Je ne supporte pas que dans ma commune il y ait quelqu'un qui porte une kippa, une croix, qu'est-ce que tu veux, tout ça, un truc pastafariste. Je ne supporte pas. Parce que je veux que quand je vais chercher mon passeport, mon certificat de bonne vie et mœurs, j'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui manifeste une conviction, quelle qu'elle soit. Voilà. J'ai pas envie de ça. Je pense qu'il y a une neutralité de l'agent. C'est tout. Il faut des lieux, voilà. Le reste, mais moi je suis très heureux qu'il y ait des gens qui portent une calotte. Voilà. Et je pense, n'importe. On est dans l'espace public et plus l'espace est diversifié, plus il est riche. Mais donc, c'est dans des lieux bien spécifiques qu'il y a la neutralité du professeur, il y a une neutralité, alors je vous l'ai souvent dit, on a focalisé sur la neutralité religieuse, mais aussi la neutralité politique. Désolé, le professeur, il ne va pas faire, il va pas inventer son parti politique, sa liste électorale, etc. Ça peut le mener d'ailleurs dans des situations complètement incontrôlables. Donc, c'est ça au fond la neutralité, dans des espaces spécifiques ou à l'intérieur de son cours. Ben, le professeur, il va tenir sa fonction, son rôle. Voilà. Bon, par exemple, tout à l'heure, on était dans la cérémonie des docteurs honoris causa, on portait les toges. Ben, la toge, c'est ça, ça veut dire que c'est moi tout en n'étant pas moi. Donc c'est Jean Leclerc tout en n'étant pas Jean Leclerc. Vous comprenez ?
Ce qui n'empêche pas que le professeur qui va aller prendre un verre avec un étudiant, ou qui va manger avec l'étudiant, ou qui connaît l'étudiant par ailleurs pour de multiples raisons, là il n'est plus neutre. Il peut très bien dire à l'étudiant, tu sais, ma vie c'est ça, moi je fais ci, moi je fais ça, moi je crois pas en ci, moi je fais ça, je déteste, moi je déteste. Bon, j'adore. Bon, mais dans son rôle d'enseignant, dans le lieu où il enseigne, il a une neutralité. Et donc la deuxième chose, le deuxième cas concret, c'est un jour j'ai assisté, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, hein, il a écrit le dictionnaire amoureux de la laïcité, c'est Peña Ruiz, qui est vraiment un type merveilleux. Bon, il a beaucoup enseigné. Et ça, ça m'a beaucoup fait réfléchir, parce que parfois on croit qu'on s'émancipe, c'est ce que tu disais Sébastien, tu as tellement raison, je signe 4000 fois avec toi, on pense qu'on s'émancipe quand on critique les religions. On est bien, oh, on a clashé sur la religion, oh, ça veut dire regarde comme il est moderne, il est bien, il est in. Mais non, c'est pas vrai. Et Peña Ruiz, qui est vraiment quelqu'un de profondément laïque, c'est un laïque, voilà, et il disait à la fin de mes cours, les étudiants venaient me dire, mais vous savez, monsieur Peña-Ruiz, en fait, on ne sait pas en quoi vous croyez. On ne sait pas si vous êtes catholique, protestant, athée, qu'est-ce que je sais encore. Et alors Peña-Ruiz disait, ça c'est très bien. Quand on me dit ça en fin de cours, j'ai rempli mon rôle. Ben moi, je serais assez d'accord avec ça. C'est-à-dire que dans mon enseignement, je remplis une mission, je remplis mon cahier des charges, voilà, je fais ce que je dois faire. Et je ne vais pas commencer à... Voilà, c'est ce qui fait dire que... Il y a une fonctionnalité, si tu veux, dans la dimension de neutralité. Il y a une exigence par rapport à soi. Il y a une garde. Il y a une retenue. Il y a un travail qu'on fait. Mais évidemment, on ne ment pas. Mais on est dans une garde. Ce soir, je suis dans une conférence publique, je ne suis pas dans un cours, je n'ai pas dans, voilà, vous m'avez invité, mais à la rigueur, ce soir, je pourrais être complètement non neutre. Mais quand je suis professeur, voilà, je dois, et je crois que comme enseignant, vous serez tous peut-être enseignants, on doit être vraiment fort attentif à ça, de se dire, à qui parle-t-on? Qui a-t-on devant nous? Est-ce que tous, enfin, on a trop souffert de choses où on était amalgamés, assimilés. On doit toujours faire ce travail critique en se disant, je suis dans un schéma de réception et dans un schéma de communication, en fait. Donc, l'impact de ma parole, qu'est-ce qu'il a? Ça doit chaque fois nous mobiliser, nous faire réfléchir. Par exemple, ici, à la fin du cours de Christianisme et questions de sens, où j'essaye toujours de travailler ça. Il y a une étudiante qui m'a dit, vous savez, quand même, à ce cours-là, vous avez dit une parole blessante par rapport à un truc sur le christianisme. Et je vous présente mes excuses. Je n'ai pas du tout voulu ça. Vous voyez ? Ça, je crois qu'on doit être très, très, très attentif à ça. Bon, je pense que j'avais... Voilà, objectivement, mais bon, elle l'avait perçu comme... Je lui ai dit, écoutez, voilà, je voudrais m'excuser, mais ce n'est pas ça que je voulais dire. Tout de suite, on sait. Mais ça, je crois que c'est ça aussi... En fait, c'est notre humanité, c'est de pouvoir s'accorder sur des choses fondamentales. Voilà. Tristan va clore. On va clore. C'est la clôture. Merci pour cette discussion intéressante. Donc, quand même, pour terminer l'année de conférence, merci à toutes les personnes qui ont assisté aux conférences, aux différents intervenants qui nous ont fait plaisir de réfléchir un peu sur différents sujets. Et bah, à l'année prochaine, en octobre, à mon avis, où la prochaine équipe de conférencier nous fera de belles choses également. Et donc, on peut aller encore en discuter autour d'une petite bière, si vous désirez. Et vous sustenter. Merci, mes chers amis.